Merci Simon et Baptiste de nous accueillir sur votre ferme. C'est trop chouette. Vous êtes là depuis 2016, ouais. Donc ça fait 8 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient le projet? Comment vous y êtes arrivé? Comment vous êtes formé? Ouais, bah, je démarre du coup. Ouais. Pour revenir un peu, moi j'ai fait un BTS paysagiste. Et dans le lycée agricole où j'étais, il y avait une formation maraîchage bio sur petite surface. Alors à ce moment-là, on s'intéressait déjà à l'apiculture, à la viculture à côté, les poules, etc. Mais vraiment en à côté, quoi. Et Baptiste, il faisait un master en urbanisme, en gros. Et je lui en ai parlé. En fait, on ne connaissait pas trop le maraîchage. Pour nous, le maraîchage, il fallait des grosses machines, des hectares et des hectares. Et donc ça ne nous parlait pas. Et dans ma formation, j'ai vu maraîchage bio sur petite surface. Et là, ça a tout de suite fait tilt. On s'est dit, bon, bah, si c'est tout petit, si c'est faire un grand jardin, ça peut nous parler. Et je lui en ai parlé, il a fait la formation et on s'est installé, je crois, 10 mois plus tard. Ouais, en fait, on terminait nos études tous les deux. On ne savait pas exactement ce qu'on allait en faire. On faisait nos études, mais sans conviction, sans projet concret, quoi. Et effectivement, dès qu'il en a parlé... On s'est tout de suite dit, bon, ben, on essaye. En fait, nos parents avaient une ferme en double actif. Et en fait, nous, ça ne nous a jamais vraiment donné envie de reprendre parce qu'étant double actif, ils avaient leur boulot principal en journée. Et puis, ils rentraient le soir, il fallait qu'ils s'occupent des vaches. Il n'y avait que les vaches à l'époque. Et du coup, voilà, nous, on s'était dit, ouais, double actif, la ferme, pas tellement. Et puis, quand on s'est dit, avec cette formation de maraîchage sur petite surface, qu'on pourrait en faire une activité principale, tout d'un coup, c'est devenu une vocation, quoi. On s'est dit, bah ouais, ça, c'est pour nous. On voulait... Ça répond à tout ce qu'on cherchait, en fait. Être nos propres patrons, travailler dehors, bouger pour être en bonne santé, manger des bonnes choses. Et puis, une dimension écologique qui était déjà bien présente chez nous. Ça doit venir de notre mère, je pense. Mais donc, voilà, ça répondait un peu à tout ce qu'on voulait. Donc, tout d'un coup, c'est devenu une vocation, quoi. Et l'idée de vous installer entre frères, c'était une évidence? Bah oui, pour moi, ouais, bah, je pense que je parle pour toi aussi. C'était lui ou personne d'autre, quoi. Parce ouais, que... Bah, de toute façon, on se comprend quand même. Alors, par la suite, forcément, ça a été difficile parce qu'il y avait de l'argent en jeu. On est tout le temps ensemble. Il faut prendre des grandes décisions ensemble. Et puis, avec les pratiques de non-travail de sol, etc., autour de chez nous, ça ne se fait pas trop. Donc il a fallu débattre tout le temps. Mais oui, c'était ensemble ou rien. Et on est bien content d'être à deux parce que tout seul, ça serait lourd, quoi. Ouais. Et donc, vous êtes arrivé là en 2016. Avant, c'était quoi? C'était une pâture? Ouais, c'était la parcelle. Il y avait les vaches qui pâturaient ici. Alors on a de la chance parce que dans notre famille, donc c'était la ferme d'abord de notre grand-père puis de notre père, ils avaient conservé les haies. Ils étaient en bio depuis 30 ans. Cette parcelle, elle était non travaillée depuis des années. Et ce qui fait qu'on est arrivé sur une parcelle qui était en bon état, quoi, plutôt. On s'est installé sur un sol qui était déjà plutôt pas mal, je pense, au départ. Et puis surtout dans un cadre qui nous convenait bien, quoi, avec déjà des arbres, déjà dans la nature, quoi. Sur le contexte ici, du coup, on est en Moselle. Ouais, oui, tout juste, ouais. Tout près du Bas-Rhin. Donc en pluviaux. Ça a beaucoup, franchement, ouais. Ça a beaucoup changé en l'espace. Depuis qu'on est installé, il y a énormément de choses qui ont changé. Ouais. Que ce soit sur les températures en hiver, en été, sur la pluviométrie. C'était vraiment réputé pour être une région où il fait froid et moche, quoi. Mais en fait, ça a complètement changé. Maintenant, on a quand même régulièrement des étés chauds. On a des hivers qui peuvent être un peu rudes, un peu longs, et notamment des températures très basses assez longtemps, quoi. Donc vous gelez facilement. Il peut geler facilement. On a perdu les courges le 30 mai l'année dernière. Bon, ce qui était un record, d'ailleurs. Ce qui était quand même un record. En général, c'est vers le 10-12 mai les dernières gelées. Mais en tout cas, des nuits froides assez longtemps. Vous avez des problèmes de neige? Non, bah justement, quand on était petit, il y avait quand même régulièrement des épisodes de neige où ça dégelait pas vraiment. Et là, on peut faire des hivers entiers depuis 5, 6 ans, 7 ans où il n'y a pas de neige, pas une fois de la neige. Et donc, quand je disais que ça a changé, c'est beaucoup par rapport à ça, quoi. Et j'en ai parlé avec des collègues, bah, celui qui a la ferme à côté, et il faisait les mêmes constats, quoi. Et pour lui, c'est il y a 6, 7 ans que ça a commencé vraiment à changer sur l'hiver, vraiment radicalement, quoi. Ouais, donc finalement, je pense qu'à ce niveau-là, on n'est pas dans une mauvaise zone. Parce qu'on a des étés où il fait quand même maintenant chaud et sec, mais pas forcément comme dans le sud. On n'a pas eu de pointe à 40 cette année, par exemple. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Et au niveau des sols, ici? Je pense qu'on a plutôt des bons sols. Alors, on a fait une analyse de sol tout au début, et je ne saurais plus dire exactement. C'était assez équilibré. Enfin, limoneux-argileux, lui, il dirait plutôt l'inverse. Argileux-limoneux. Mais en tout cas, il y avait pas mal de matière organique, forcément, puisque c'était une pâture depuis X années. Et on a une très bonne profondeur de sol, je pense, aussi.
On n'a jamais trouvé. Non. Jamais trouvé le fond. Ouais, on n'a jamais trouvé le fond. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment des bons sols. Alors, il y a beaucoup de gens qui diraient oui, c'est quand même des sols qui peuvent devenir lourds, etc. Ouais. C'est vrai. Mais en fait, on en parlera plus tard. Mais nous, on se rend compte que c'est parfaitement adapté à nos méthodes. Quoi. Ça réagit très bien aux approches MSV, on va dire. Quoi. Ouais. Un peu lourd, mais c'est froid longtemps, quoi. Ouais, froid longtemps. Début de saison, ça peut être un peu gorgé, un peu hydromorphe, etc. Mais en fait, nous, dans notre créneau, ça nous va bien parce qu'on essaie de vendre seulement de mai à décembre, même fin novembre. Et du coup, ça a le temps de chauffer un peu. On cherche pas à faire la boucle parce qu'après, il y a les bêtes aussi en hiver. Voilà, juste un peu long au démarrage. Mais après, en plein cagnard, on est content d'avoir un sol comme ça qui garde l'eau et un peu lourd. Et... Voilà. Ok. Et ici, du coup, vous êtes sur quelle surface ? Vas-y. Alors, la parcelle de maraîchage en tout, elle fait 2 hectares. Et y a 15 autres hectares, donc 5 de pâture pour les vaches et puis encore 10 de production de fourrage. Quoi. Ou c'est que de l'herbe, c'est que des prairies permanentes. D'ailleurs, on a des projets un peu à côté, ça va être de replanter massivement un peu sur toutes les autres parcelles. On a beaucoup planté dans la parcelle de maraîchage, mais maintenant on va un peu planter partout. Et donc, si on détaille un peu plus la parcelle de maraîchage, c'est assez simple. Donc, sur les 2 hectares, en fait, on a 200 planches de plein champ qui font à peu près 20 mètres carrés chacune, 20 mètres de long par 1 mètre de large. Donc, ça fait 4000 mètres carrés de plein champ cultivé. Je compte pas les passe-pieds, là, je compte que la largeur des planches, quoi. Et puis, on a 6 serres de 300 mètres carrés, dont une demi qui est dédiée à la production de plants, parce qu'on fait quasiment tous nos plants. Les premières séries de tomates, poivrons, aubergines, on les achète parce que nous, on n'arrive pas à les avoir assez tôt puisqu'on ne chauffe pas. Donc voilà, il y a une demi-serre qui est consacrée aux plants et sinon tout le reste, c'est une production. Quoi. Okay. Donc je ne sais pas si j'ai dit la taille des serres, elles font c'est 6 fois 300 mètres carrés en gros. Ouais, c'est 9,30 par 30. Ouais. Ok, donc vous êtes propriétaire ou pas du tout ? Non. De zéro. Ouais. Tout en loc. Ouais. Mais en location ou en indivision, donc à nos oncles et tantes, notre père, oncle et tante. Quoi. Ok. Peut-être une partie sur tout ce qui est installation. Quand vous êtes arrivé là, du coup, c'était une prairie. Vous estimiez que les sols étaient bons. Comment ça s'est passé ? D'un coup, vous avez tout bâché et tout démarré, installé les serres, ou ça s'est fait progressivement ? Ça s'est fait quand même relativement vite. Alors c'est sûr qu'il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas le forage pour l'eau, il n'y avait même pas la clôture autour, il n'y avait pas d'arbres. Donc là on est en 2016. Ouais. Printemps 2016. Donc il y avait même encore les aubépines, alors on ne voit pas sur la caméra, mais il y a des haies d'aubépines tout autour de la parcelle. Bon, bah, il y avait quelques trucs un peu partout, quoi. C'était pas dégagé comme c'est maintenant. On avait essayé de garder, mais ça rendait les travaux trop compliqués. C'était au milieu du chemin, ça tombait pas toujours au bon endroit, etc. Donc finalement, on a essayé de les ressortir, de les replanter à l'extérieur, et on a replanté tous les arbres qu'on voit sur la parcelle. C'est nous qui avons replanté. Dès la première année ? Non. Assez rapidement, parce qu'on a tout de suite voulu partir sur de l'agroforesterie ou des choses comme ça, mais on va dire 2-3 rangées par an. Et puis au bout de 3 ans, on s'est dit, bon, bah, finalement, il faut tout rechanger. On était parti vraiment sur un modèle fortier en travail de sol, etc. Donc, c'était pas du labour, mais on avait fait des occultations. Mais après, on avait recréé des buttes. On a acheté un motoculteur comme fortier avec une herse rotative. Ça, c'était toujours en 2016. En fait, au départ, je pense qu'on s'était dit, on avait très peu de connaissances sur le fonctionnement d'un sol et tout, mais de ce qu'on avait compris, on avait plutôt un bon sol. Et comme on a vu Marcel Boucher aux rencontres MSV à Berenthal, je crois, en 2016, tout de suite en janvier, au début de l'année, ben on s'est dit, en fait, on va pas faire de gros chantiers, on va laisser la parcelle le plus possible comme elle est, laisser les arbres qui sont là où ils sont, et on essaye de s'accommoder de tout ça pour éviter vraiment de tout remettre à plat et de tout saccager, quoi. Et donc, on a fonctionné comme ça pendant 2-3 ans, et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout optimisé en termes d'efficacité du travail, d'efficacité de l'irrigation, de déplacement, logistique et tout. Donc, en fait, on a eu les 3 années, et nous, on considère souvent que notre point de départ, c'est pas 2016, c'est plutôt 2019. On a eu les 3 années là où on avait zéro expérience, on connaissait rien en maraîchage, on n'avait jamais rien semé de notre vie. Donc on a fait toutes les conneries qu'on pouvait faire, et puis au bout de 3 ans, on s'est dit, bon, ben maintenant stop, là on commence à avoir un peu d'expérience, si l'aubépine là elle nous embête, eh ben on l'enlève. En fait, l'idée, on s'est dit, on remet tout à plat, on redessine nos îlots, etc., et on recommence à partir de ce moment-là sur des itinéraires 100% MSV, etc. quoi. Mais le point de départ en 2016, c'était plutôt... on a commencé effectivement à mettre des bâches, mais... C'était vraiment un modèle fortier, le point de départ, c'était une occultation...
Derrière l'occultation, on est passé avec la charrue rotative, donc c'est une petite hélice comme ça qui aide à faire les buts. Donc on a fait les mêmes jardins que Fortier, juste une allée de 30 cm, les buts de 75, tout comme lui, etc. Et après, le projet, c'était de passer avec une herse rotative sur les buts pour affiner, pour semer, des choses comme ça. Et en fait, nos premières plantations, c'était des laitues en mai 2016. Là. Très rapidement, on a eu des laitues énormes. Et on s'est dit le sol est vraiment fertile alors que c'était juste une pâture. C'est que visiblement il n'y a peut-être pas besoin de le travailler pour. Il y avait déjà de la fertilité dans le sol donc il faut le garder. Et là ça a fait tilt avec Marcel Boucher qu'on avait vu quelques mois avant. Et on s'est dit non, bah, tout ce qui est travail du sol, alors on essaye d'arrêter. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché vraiment de l'association MSV. Mmh. Et alors après le challenge c'était un peu de. On ne travaille pas le sol, mais comment on fait pour que ça soit plantable Parce qu'au début, c'était pas vrai. C'était quand même dur, c'est des sols lourds qui se recompactaient, etc. Donc ça a été un peu compliqué. Mais donc dès 2017, on a arrêté de travailler le sol. Il y a qu'un an où on a fait un peu de herse rotative, etc. Et en 2017, on a compris que si on voulait pas travailler le sol, il faudrait mettre des paillages et des litières pour éviter que la pluie elle vienne retasser le sol, pour favoriser l'activité biologique, etc. Donc on a fait ça jusque 2019. Globalement ça allait de mieux en mieux et 2019 on s'est dit bon ben maintenant notre dernier problème c'est la logistique et les buts qui sont pas comme on aurait voulu donc là on a tout remis à zéro et on est reparti sur du zéro travail de sol à part de temps en temps un coup de grelinette et encore plus le temps va plus on se dit que la grelinette on le fait un peu en début de saison si le sol est vraiment froid égorgé, ou dans égorgé dans certaines zones du champ il y a des buts qui sont un peu moins bonnes que d'autres bah, des fois là on va faire rentrer un peu d'air. Mais sur la majorité des buts, maintenant, on le fait plus, quoi. De toute façon, on sent qu'on pédale dans la choucroute, donc c'est qu'à un moment, si le sol est léger, pourquoi Enfin, si tu sens rien quand tu fais la grelinette, c'est que t'apportes rien, quoi. C'est que le sol, il est déjà bien comme il est. Et donc, petit à petit, on a arrêté même la grelinette, quoi. Et du coup, remise à plat, ouais. Vous avez retiré les arbres qui vous embêtaient, ouais. Vous en avez planté d'autres, les buts. Ouais, en fait, donc il y avait les arbres qui nous embêtaient, et puis on s'embêtait souvent nous-mêmes aussi. Hein. On avait fait creuser des mares un petit peu partout, parce qu'on s'était dit qu'en termes de biodiversité, ça avait un intérêt, et je pense que c'est tout à fait vrai. Mais c'était pas du tout pertinent en termes d'efficacité du travail, des déplacements, gestion de l'arrosage, etc. Et donc, en fait, en 2019, on a demandé à un copain agriculteur qui a d'autres moyens que nous, parce qu'on n'a pas trop de grosses machines, on a des vieux tracteurs, mais c'est tout. Il est venu avec un gros Manitou, des gros tracteurs, etc. Et on a enlevé les arbres qui nous gênaient, on a rebouché les mares, on a tout remis à plat. Il a passé un coup de charrue sur toute la parcelle, un coup de herse sur toute la parcelle. Et puis là, on a fait venir un agriculteur d'Alsace. Ils font souvent des fraises ou des asperges, donc ils ont des machines pour faire des buts au GPS. Alors c'est tout droit, parce que nous les buts au motoculteur, c'est le motoculteur qui décide un petit peu quoi. Et du coup les buts elles sont au GPS avec toute la même largeur et elles sont prévues pour qu'on ait un empattement pour pouvoir rouler par-dessus quoi, avec nos machines à nous pour le coup, pour apporter la matière organique. Donc 1 mètre de large et combien en passe-pied? Un 50 quoi. C'est la largeur du pneu du tracteur. C'est adapté à notre tracteur, oui. Ok, et donc vous êtes venu travailler tout ça, tout remettre à plat, et directement vous avez planté dedans, vous avez apporté de la matière On a tout de suite apporté de la matière. Alors à l'époque, on travaillait beaucoup avec du compost. Je crois que c'était début 2019 qu'on avait tout. Donc pour la saison 2019, on avait commencé par mettre une bonne dose de compost partout. Et puis je crois que c'est à partir de 2020 ou 2021, peut-être qu'on a plutôt essayé de remplacer autant que possible le compost par le bois. Du bois broyé. Et donc tout ça, c'était en surface ou mélangé au moment où vous avez fait les sols en surface. D'abord avec le. Et je pense que ça, c'était un peu la chance des débutants, c'est-à-dire à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, on avait du compost, on n'avait pas de bois. Donc on travaillait plutôt avec du compost et petit à petit, on est venu au bois et je pense que ça a bien marché. Il valait peut-être mieux faire comme ça. On aurait peut-être. En théorie, on n'a pas trop de fin d'azote si on laisse la matière en surface, mais je pense que le fait d'avoir du compost en dessous, ça a bien aidé quand même. Si on avait fait directement le bois, peut-être ça aurait réagi un peu moins vite, peut-être. Je sais pas. Je reviendrai sur les matières organiques juste après. Du coup, là, on est en 2019. Ouais. Vous reformez tous les jardins. Ouais. Les serres, elles sont arrivées quand? Les trois premières, là, elles étaient là dès le début, tout de suite en 2016. Et puis, donc, investissement au démarrage. Oui, ouais, tout de suite. Nous, on a investi beaucoup dès le départ. On a un peu tout mis dedans. Oui. Et les trois autres, c'est au moment où... Elles sont arrivées assez rapidement, deux ans après, ou un an après, je ne sais plus trop. Parce qu'au départ, vous étiez dit trois, ce sera suffisant. On avait tout de suite dans le projet, je crois, dans le plan d'entreprise, c'était prévu cinq peut-être, pas six, mais en tout cas, plus que trois dès le début.
Et en fait, quand on a vu rapidement qu'il y avait la place pour en caser trois, bon, on a rajouté une sixième, quoi. Mais c'était prévu assez rapidement qu'on ait des serres, oui. Donc c'était le temps de montage qui fait que ça a échelonné. Ouais, et puis les finances aussi un peu. Je sais pas pourquoi on l'a fait en deux temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est mieux de l'avoir fait en deux temps que d'un coup, parce que nous, on a démarré sans aucune expérience. Lui, il a quand même fait un BPREA. Ouais, donc en fait, on s'est installé. Et quand on a démarré, on connaissait rien. On n'avait jamais jardiné personnellement de notre côté. Donc en fait, si on avait mis les 6 serres dès le départ, bon, bah, c'est bien, t'as 6 serres, mais tu sais pas les utiliser. Donc c'est pas. Ok. Et donc les serres 2016-2017, les arbres 2019, les arbres, vous avez refait les jardins. Les derniers arbres, ils datent d'il y a 2 ans, donc 2021, je crois. Début d'année 2021, un peu plus de 2 ans. Et sinon, les autres, on en avait mis tout de suite aussi au début. Par chance, et c'est vraiment de la chance, je pense qu'on a un bon espacement. C'est-à-dire, en général, on a une vingtaine de mètres entre deux rangées d'arbres. Et ça correspond à la taille à ce qu'on cherchait en taille d'îlot, ça correspond à nos rampes d'arrosage là qui peuvent faire un îlot complet en arrosant un peu les arbres aussi, comme ça ils sont contents aussi. Donc ouais, par chance on les avait espacés de façon qui nous semble encore aujourd'hui à peu près cohérente, quoi. Mais ouais, c'était un peu au pif, quoi. Alors le but de ces arbres, c'était de faire des points à mycorhize, ouais. C'est-à-dire qu'on a nos arbres qui sont installés et puis juste à côté il y a les légumes, et quand on met les légumes, on se dit que dans la théorie ils sont censés pouvoir se brancher au réseau qui est maintenu en vie grâce aux arbres. Mais quelle distance du coup entre la première planche de légumes et les arbres? C'est un mètre. Un bon mètre, ouais. Mais alors c'est des arbres, c'est des porte-greffes assez faibles. C'est pas très vigoureux, ils font pas des grosses racines, ça pousse pas très fort. C'est quoi comme porte-greffe? Alors pour les pommiers, ça doit être des M106, mais là je vais sûrement dire des bêtises, donc je vais pas m'étaler. Mais en tout cas, on avait demandé des porte-greffes faibles pour justement pas que ça devienne trop gros, trop envahissant pour les légumes à côté. On peut parfois constater des petites baisses de rendement sur les planches vraiment limitrophes. Quand c'est des pruniers. Ouais, notamment autour des pruniers. Ouais. Mais ça nous gêne pas plus que ça, en fait. On se dit que voilà, peut-être que ce qu'on perd autour de l'arbre, on le gagne un peu plus loin parce qu'il a fait de l'ombre, il a coupé le vent. Vous devez les tailler particulièrement? Oui. Alors on le fait pas nous, il y a un ami. Vous faites venir quelqu'un? Ouais. Et on s'arrange avec lui. Contre des légumes. Contre plutôt de la viande. D'accord. Donc et vous savez à peu près le temps que ça lui prend? Ouais, il le fait en deux jours, je pense. Ouais. En deux jours. Deux jours par an. Et bah, il y en a quand même quelques-uns. Il y a 8 rangs d'arbres là en fruitier. En fait, ce que vous voyez, alors sur la caméra, sur la caméra, on voit pas. Sur la partie au-dessus des serres, il doit y avoir 10 îlots. Et donc, à peu près autant de rangées d'arbres. Et en fait, ça représente seulement les 2/5 du champ. Il y a les 3/5 en bas. Ouais. Là, il y a 2 îlots, enfin, 2 niveaux. Et là, en bas, il y a 3 niveaux. Ok. Et c'est pareil, c'est le même schéma, il y a les arbres, espacés pareil. Et c'est quoi l'espacement du coup entre les arbres? Entre deux arbres, sur la ligne? Sur la ligne, ouais. C'est variable? Ouais, c'est très variable. Et puis c'est jamais ce qu'il faut, je pense. Non. En fait, le but, c'était de faire des porte-greffes faibles et de faire une haie fruitière. Et de les serrer un peu. Donc c'est vraiment des petits arbres qui vont faire 20 kg de fruits par arbre à terme et qui se touchent limite, qui ferment vraiment... Et qui se concurrencent entre eux à la limite pour pas qu'on ait des trop gros arbres. C'était 1 ou 2 mètres entre chaque arbre, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, avec du recul, vous dites que c'est pas assez? En fait, on a plutôt sur les séries, c'est notamment sur les premières séries, et on le voit tout de suite. Bon, c'est aussi la concurrence de la haie, je pense, mais sur les premières séries, c'était très, très serré, ouais. Et les arbres, vous voyez comment ils se sont jamais vraiment développés. Sur les séries suivantes, on les a espacés un peu plus, je pense qu'il y a des fois 4-5 mètres. Et alors, du coup, le fait d'avoir fait tous les espacements, vous êtes un peu convaincu sur un des espacements ou... Non, pas vraiment, en fait. Non, on a... on préfère plutôt les espacements un peu plus importants où on a des beaux arbres. Mais c'est esthétique, parce que autrement, on préfère avoir des arbres un peu plus beaux, un peu plus grands, un peu plus étoffés, quoi. Ok. Et donc taillés tous les ans, ouais. En 2 jours. Ouais, à peu près. Et on récolte? Ça commence tout juste, mais nous, c'est même pas vraiment dans le plan d'entreprise. Hein. C'était le but de mettre aussi de la diversité. Nous, on a eu des pêches qui étaient excellentes cette année, par exemple. Bah, ça, pour nous, ça vaut cher. Donc voilà, s'il y a quelque chose à prendre, on le prend. Là, les premiers poiriers qui donnent et qu'on a commencé à vendre aussi un peu. En fait, c'est anecdotique. Hein, par ouais, parce que ces arbres, ils avaient un premier objectif coupe-vent, etc. Et puis mycorhize. Mais biodiversité aussi, donc on s'était dit d'office, on les laisse. On s'était posé la question de savoir si on allait mettre des toiles tissées, les planter à travers pour que ça soit toujours beau et tout. Et en fait, on s'est dit non, c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est plutôt des réservoirs de biodiversité, donc on laisse pousser ce qu'il veut et on fait zéro traitement. Même sur les premières années?
Vous avez laissé pousser. Ouais, on l'a fait, mais on n'aurait peut-être pas dû, mais c'est ce qu'on a fait. Ouais. On avait quand même mis un bon paillage, quoi, mais c'est tout. Et en fait, du coup, zéro traitement. Bon, ça, on se l'interdit de toute façon sur les légumes aussi. Et du coup, voilà, souvent les pommes, elles sont achetées, etc. Donc, je sais que nous, on achète des pommes à un collègue. Je pense que si on mettait nos pommes, on en vendrait beaucoup moins parce qu'elles sont moins jolies, quoi. Ouais. Elles peuvent être véreuses. Voilà. Et du coup, il y a de l'entretien à faire sur le 1 mètre entre votre planche d'arbre et les cultures, notamment un coup de broyage, de tondeuse de temps en temps, ou rien du tout ? Non, on ne le fait pas, on laisse vraiment presque en friche, quoi. En fait, après, c'est l'occultation qui va. On essaye de faire l'occultation assez large, ouais, pour que les planches du bord. C'est vrai que les planches du bord sont toujours moins bonnes parce qu'elles vont être enherbées plus vite, etc. Mais on sait que c'est comme ça, voilà. Si vous aviez l'occasion de démarrer sur page blanche demain et de replanter des arbres, vous verriez le système comment ? Peut-être un peu plus d'espace avec les planches de culture ? Non, je crois que globalement, on ferait pareil. Ouais. Si, alors en fait, ce qu'on ferait, on a des îlots qui font. Nos plus petits îlots font 7 planches. On en a d'autres qui font de large. Il y en a d'autres qui font 8, 9 et on en a même qui vont jusqu'à 11. En fait, on mettrait tout à 8, je pense. Parce que c'est la distance de l'irrigation. Ouais, pour les asperceurs, c'est bien. Par rapport aux bâches d'ensilage qu'on achète aussi, c'est tout pile. Quand on met une bâche d'ensilage, en fait, les bâches d'ensilage, elles font 21 par 16. OK. Et donc 21 dans la longueur et 16 dans la largeur. Quand on n'a que 7 planches, c'est un peu dommage, on n'optimise pas la bâche. Si on en a 9, c'est un peu trop. On n'arrive pas à bâcher correctement la 9e, quoi. Donc entre les deux, 8, ça aurait été vraiment bien. Si c'était à refaire, on mettrait 8. Mais sinon, pour le reste, voilà, sur les arbres. Même par rapport aux écartements entre les arbres, c'est comme ça. C'est pas. Oui, ça n'empêchera pas de faire des ajustements. Comme c'est des porte-greffes faibles, des fois, s'il y a un coup de vent, si le tuteur est cassé, par exemple, bah, l'arbre peut tomber. Donc, au pire du pire, on les changera petit à petit. Mais c'est pas gênant. Ok. Vous n'avez pas de bâtiment ? Si. Ça fait partie de vos investissements ? Non, c'est une vieille ferme. Bon, on a dû rénover un peu le point de vente et puis c'est là donc qu'on a installé la chambre froide et puis on a quand même refait, il y a eu le toit à 8000 euros quoi. Oui, mais c'est la partie avant de l'étable. Il y a les vaches qui sont à l'arrière en hiver et sur la partie, c'est ce qu'on appelle en Alsace un shop. Et du coup, voilà, en anglais aussi, on comprend bien ce que ça veut dire, hein, c'est un shop. C'est là qu'on fait notre magasin, quoi, sur la partie avant de l'étable. Donc en fait, on est à l'abri de la pluie, mais voilà, on a la même température qu'à l'extérieur. C'est aussi pour ça qu'on arrête les ventes en novembre, parce que ça devient Donc vous avez des frais en aménagement magasin, en restauration toiture. Ouais, vous n'avez pas acheté un bâtiment, mais au final, ça vous aura coûté dans les 10 000 euros. Oui, il y a eu l'électricité, le toit, plus la chambre froide, et puis après, on peut dire plutôt 20 000, quoi. Par contre, on a quand même fait un tout-abri pour mettre un moment stocker de la paille en dessous, par exemple. Parce que là, sur le terrain, vous n'êtes pas à côté de la grange, du coup. Non. Et donc, tout non. ce qui est matériel, caisse, outils, tout ça. Il y a le conteneur qui est là-bas, et moi, je serais vachement pour en rajouter un deuxième. Et sinon, il y a beaucoup le petit outillage qu'on utilise très souvent. Il reste dans la serre à semis, là où on fait nos plans, parce que c'est un peu là-bas qu'on se regroupe, quoi, les pauses de midi, etc. Donc on a une partie du petit matériel qui est là-bas, et puis le reste, tout ce qui est filet, je sais pas quoi encore, les plaques à semis, le matériel des serres, enfin voilà, tout ça c'est là-bas dans le conteneur, quoi. Ok. Ouais, donc gros investissement dès le démarrage. Pas mal de matos aussi. Tu parlais de plusieurs tracteurs, tout ça. Est-ce que tu peux détailler un peu c'est quoi, avec quel matériel vous tournez et combien ça vous a coûté ? Alors, les deux vieux tracteurs, c'est un Massé de 45 chevaux et un de 65 qui date de 61. Ouais, à peu près 60 ans. On les a récupérés de la ferme de mon père, quoi, donc ça nous a rien coûté. Qu'on utilise beaucoup, donc il y avait des remorques avec. Et autrement, ce qui nous a coûté un peu, c'est on a le godet des sileurs, comme je disais avant, pour les apports de matière organique. Donc c'était 3-4 000 euros, ça. Le troisième tracteur, il est à mon père, mais il nous le prête. Et en fait, on était à deux doigts d'en acheter un d'occasion. C'était pour 10 000 euros, on avait le tracteur, et encore 4 000, on aurait eu godet tracteur, quoi. Donc c'est en fait le prix du motoculteur qui nous a servi à rien. C'était 15 000 euros, le motoculteur aussi, à peu près. Sinon, comme matériel, qu'est-ce qu'on a ? Après, c'est des petites choses, les brouettes, les botteleuses, des petites choses, le conteneur. On a un valet de ferme, mais qui ne nous sert plus pour le maraîchage, c'est que pour les bêtes.
Qu'est-ce qu'on a les remorques de récolte. Ah oui, semoir, oui, on a un semoir Hebra monorant. Et puis on se dit que 1500 euros, c'était neuf en 2016. Et ça, c'était peut-être pas nécessaire. On vient d'acheter un Earthway à 200 balles, je crois. Bon, tu sens que c'est pas la même qualité. Mais en fait, pour 90% des semis, ça passe. Pour les carottes, finalement, on n'a pas trouvé encore d'autres solutions mieux que ce que le Hebra. Mais c'est vrai qu'il est un peu lourd à manipuler, c'est un peu... Du coup, c'est quoi, Nico? C'est un semoir 84 trous. Donc pour les plaques, en fait, on fait des plaques d'oignons de 84. Nous, on a des plaques de 84 mottes. Tu peux acheter le semoir pour une plaque de 70 mottes. Ils peuvent le faire sur mesure, quoi. Et donc, nous, on a des plaques de 84 mottes. Donc, on a 84 durites, si tu veux, qui partent d'une petite grille comme ça, perforée. Et chaque petit trou va dans son alvéole. Donc, en fait, toi, tu mets tes graines sur le dessus, tu étales un petit peu, tu appuies sur le truc et chaque graine va dans son alvéole, quoi. Donc, ça va très vite. Ça vous fait gagner beaucoup de temps, ça vous fait gagner. Oui, parce qu'il fait des plaques d'oignons en 30 secondes au lieu de 6 minutes, je crois. Oui. Et comme vous en faites beaucoup. Ouais, on fait 300 plaques d'oignons par an. Enfin, oignons et échalotes. Vous faites vos semis d'oignons. Oui, on part toujours de la graine pour les oignons. Vos graines? Non. On ne fait jamais nos graines, par contre. Et pourquoi vous partez de la graine pour les oignons? Parce que c'est moins cher. Et pour les échalions, par exemple, on a vu qu'on a des largement meilleurs résultats en faisant ça. On n'a pas de problème de montaison. Ouais. Il y a souvent des années où nos collègues, ils ont tout qui monte à graines. Je crois que c'était en 2021 ou je sais plus. Et nous, ça n'arrive jamais. Comme c'est des bisannuels, tu vois, ils vont monter beaucoup la deuxième année. Et nous, c'est la première année, donc ils ne montent pas, quoi. Et du coup, vous faites des pokés à plusieurs graines ou... Ouais, 3, alors ça, graines. Tu vois, on a juste d'une année sur l'autre. Après, avec le semoir, il faut faire une grille percée avec le bon diamètre, les bons trous. Tu peux tout faire sur mesure, le nombre de durites en fonction du nombre de plaques que tu utilises, mais aussi en fonction de la taille des graines, de combien ce que tu veux. Tu peux agrandir le trou, demander des plaques avec les trous plus petits. Au final, 1000 euros, relativement petit investissement et vous êtes très content. Ouais. Oui, je crois qu'on mettait 2 semaines, 3 semaines peut-être même à semer les oignons. Là, en 3 jours, c'est fait, quoi. Maintenant, des fois, tu vois, quand on a plus que 45 minutes à tuer avant de partir, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah tiens, on va faire des oignons. Alors qu'avant, c'était un chantier, tu prévoyais la journée, la semaine pour faire ça. Maintenant, des fois, on se dit, ah, bah tiens, ça vaut le coup, on va faire 15 plaques, 20 plaques. On n'a rien de temps, quoi. Oui. De toute façon, alors ça, c'est peut-être un des problèmes de la ferme aussi, c'est que... Dès qu'il y a une difficulté, on va trouver une solution. Chercher une solution. Et si la solution, c'est de dépenser, on dépense. On ne va pas se faire chier pendant toute notre carrière. Semer les oignons comme ça, c'est bon. Tout à l'heure, vous avez dit, au moment d'installer la ferme, l'irrigation était mise au mauvais endroit. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi votre irrigation? Alors, je dirais que l'irrigation a été mise au mauvais endroit. Elle a été faite à l'envers, enfin, comme un peu tout ce qu'on a fait les premières années par inexpérience. C'est-à-dire, on s'était dit, on n'a pas d'électricité sur la parcelle, on ne sait pas où on va avec ce projet, donc on ne va pas la financer. On a acheté une génératrice, on avait un tracteur qui tournait toute la journée pour faire... le tracteur fait tourner la génératrice qui produit l'électricité pour faire tourner la pompe. Rapidement, on a mis l'électricité. Bon, voilà, on n'avait pas les finances. Nos choix, je pense, à l'époque, se comprenaient. On ne savait pas du tout si ça se trouve, on n'aurait eu personne à la ferme. Au bout de 2 mois, on aurait dit, ouais, ce boulot nous saoule. On aurait mis 20 000 balles d'électricité pour rien du tout. On a décidé de démarrer avec une génératrice qui n'était pas non plus hors de prix. C'était 3 000 euros. Par contre, ça consommait beaucoup de fuel. Voilà, donc ça, c'était le premier problème de l'irrigation. Et après, on a fait un forage. Enfin, d'abord, on a fait un forage et on a eu beaucoup de problèmes parce que le foreur nous avait annoncé 9 mètres cubeurs en continu. On a dimensionné tout le réseau là-dessus. En fait, on a plutôt 3 mètres cubeurs en continu, quoi. Donc, c'était surdimensionné, voilà. Et en fait, on avait fait passer ça au milieu du champ en se disant, ouais, ben, on passe au milieu, comme ça, on a des branchements un peu partout. Ben non, c'était complètement dans le chemin. Donc en fait, maintenant, il y a l'alimentation principale qui est complètement en bordure de parcelles. Et puis après, il y a des arêtes là où on a besoin pour passer entre nos îlots. Donc en fait, si tu veux, là-bas, l'alimentation principale, elle descend le long de la haie du fond là-bas. Et après, il y a un branchement secondaire qui vient jusqu'ici. Et tous les 12 mètres ici, il y a une vanne qui sort. Soit pour irriguer vers le haut, soit pour irriguer vers le bas. Alors en fait, on était très limité en irrigation parce que 3 mètres cubeurs sur une parcelle de 2 hectares, c'est pas énorme, non. Et finalement, c'est un mal pour un bien parce que je pense que ça nous a déjà conforté dans l'idée d'améliorer nos sols. Parce que si t'as pas l'eau,
Si tu n'as pas l'eau dans des quantités illimitées, bah, tu vas réfléchir un peu autrement. Et je pense que la première réflexion à avoir sur ces questions-là, c'est d'avoir un bon sol pour bien gérer l'eau, bien gérer les excès d'eau, bien garder l'eau, prendre tout ce qu'il y a à prendre, etc. Et de mettre une litière, etc. Du coup, voilà, ça nous conforte dans les approches MSV, si tu veux. Et après, bah, finalement, voilà, on a 25 kilos de plein champ. Notre pompe, elle nous permet de faire tourner un îlot en aspersion. Donc si tu as beaucoup à arroser, ça peut vite être compliqué. Mais du coup, avec les approches MSV, les toiles tissées, on a du goutte à goutte. Sur les tours d'eau. Ouais. On a aussi investi dans les 150 000 qu'on a oublié. Par exemple, il y avait pas mal de goutte à goutte aussi à un moment. On pourrait mettre tout le plein champ en goutte à goutte. Alors, c'est pas ce qui est pour nous, c'est pas ce qu'il y a de mieux par rapport à la vie du sol. On le fait en urgence quand vraiment c'est quand sec partout, suivre, on fait du goutte à goutte pour économiser l'eau. Mais autrement, on préfère arroser la totalité de la surface parce que c'est ça qui fait la vie. Pour que le bois se décompose, etc., il faut qu'il y ait de l'humidité. Donc autrement, on privilégie l'aspersion. Quoi. Même dans les serres maintenant, finalement. Ouais. Sur les tomates, par exemple, on a conduit qu'en aspersion, c'était vachement mieux. Mais du coup, grosse charge mentale sur la gestion de l'irrigation. Non, ça parce va, que maintenant. Ça dure, ouais. Faut oui, quand même. Tout le temps, quoi. Oui, c'est un sujet, quoi. C'est pas, on n'ouvre pas une vanne et tout va bien. Oui, quoi. Oui, il faut oui, faire vrai. Des tours d'arrosage, réfléchir, quantifier un peu, parce qu'il faut que tout le monde puisse être arrosé un peu. Donc c'est... Mais globalement, ça, on a... à un moment, on aurait pu acheter une citerne, une poche, pour remplir la poche avec la petite pompe qui est dans le forage et après mettre une grosse pompe et faire des grosses tournées d'irrigation. Et puis finalement, on se dit si c'est pour arroser plus. Enfin, il y a aussi des limites. Voilà, on essaie aussi de se caler avec la météo, de garder l'eau le mieux qu'on peut avec un bon sol. Et on se contente de ça. On considère aussi que, en fait, on commence toutes nos semaines par... Bah, maintenant plus, parce que je veux dire, entre guillemets, la saison est jouée à cette période de l'année. Mais il y a toute une partie de l'été où on commence directement la semaine par un tour des cultures. Et du coup, on prend une tarière gouge. Et on va sur chaque îlot, on regarde l'état général de la culture et on regarde s'il faut arroser, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bon, bah, de toute façon, tu le sais, il faut à peu près 30 mm semaine, voilà. Mais on considère aussi que ça nous force à aller voir nos cultures de plus près, suivre de plus près. Et je pense que c'est quand même important d'avoir un suivi rigoureux. Donc voilà, maintenant, on fait comme ça et c'est bien, quoi. Ok. Le forage, vous l'avez payé combien ? 12 000. Ok. Du coup, vous avez choisi de ne pas automatiser l'irrigation ? Non. Ok. Vous avez beaucoup de pentes ici sur le terrain ? Moi, je dirais que non. Faites votre avis. Non, je ne sais pas. Nous, au quotidien, je dirais que non. On est content de cette pente, en fait, parce qu'on est assez bien exposé, hein, sud-sud-est. Donc, on est content d'avoir cette pente. En pourcent, je ne saurais pas dire. En pourcent, je ne saurais pas dire. Ça me paraît assez léger. Je ne sais pas, moi. Peut-être 4%, 3%, je ne sais pas. Mais ouais, du coup, par rapport à la pente, non, on est plutôt content. Je pense qu'on pourrait avoir un sol potentiellement qui garderait un peu trop l'eau. Donc on se dit qu'avec le mélange butte plus pente, je pense qu'on est content à la sortie de l'hiver. On est content parce que sinon, ça serait peut-être un peu trop gorgé. Finalement, nous, on a presque plus peur des excès d'eau que des manques parce que sur le manque d'eau, maintenant, on a quand même un bon sol. On voit que les taux de matière organique sont encore montés par rapport à ce qu'on avait. Il y a toujours une litière et on voit que ça garde pas mal l'eau. Et si vraiment il faut, on peut arroser bon an, mal an. On arrive à maintenir de l'eau. De 2021, quand c'était une année vraiment mouillée, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux rien faire, en fait. Donc nous, on a les buts pour gérer ça et la pente, mais c'est tout ce qu'on a et on est content de l'avoir, quoi. Vous m'avez parlé de drainage qui avait été une erreur. Et je sais pas. Je sais pas si c'est une erreur. On s'est installé en mai 2016. Officiellement, d'un point de vue juridique, la société existe depuis mai 2016. Et nous, c'est à peu près à cette période-là qu'on a commencé nos tout premiers semis. Mai 2016, il flottait sans arrêt. Je crois qu'il a flotté tout le printemps, jusque fin juin, il flottait quasiment tous les jours. Et nous, en s'installant à ce moment-là, on s'est dit, si c'est comme ça tout le temps, on va faire un drainage. C'est à ce moment-là qu'il fallait constituer les premières buttes, etc. Et c'était une gadoue pas possible. Et puis en plus, voilà, nous, on n'a pas d'expérience dans le monde agricole et on sait que nos collègues agriculteurs qui n'ont pas forcément les mêmes cultures, qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques culturelles, etc., mais quand même, ils ont une forme d'expérience. Eh ben, eux, ils drainent. Donc nous, on s'est dit, bon, bah, si on veut drainer, c'est maintenant ou jamais. On va pas former nos buts pour drainer après. Donc vous avez posé des drains On a payé, hein, nous, on paye. On a payé, ouais, c'était 8 000 euros pour drainer la parcelle.
Nous, on dit que c'est une erreur parce que je ne suis pas convaincu que ce soit ça qu'il faut. En fait, on regarde beaucoup de conférences aussi d'hydrologues maintenant sur la gestion de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je crois qu'il y a un gros problème en France, c'est qu'on renvoie la flotte beaucoup trop vite à la mer. La flotte, elle doit descendre dans le sol, elle ne doit pas partir à la mer. Et les drains, ils envoient la flotte à la mer. C'est à ce niveau-là que je pense que c'était peut-être une connerie. Est-ce qu'en termes de production, ça aurait été mieux ou moins bien? Ça, je ne sais pas. On n'a pas d'expérience, comme on l'a fait tout de suite au début. On ne peut pas dire comment ça serait si on ne l'avait pas fait. Je ne sais pas. Okay. On l'a fait. Et... Vous avez une idée un peu? Ils sont tous les combien, les drains? Ils sont tous les 8 mètres, je crois. Ouais. Il y a un gros collecteur principal. Tu as des arêtes comme ça, tous les 8 mètres. Et après, c'est des arêtes de poissons tous les 8 mètres. Tu as un collecteur. On ne remarque pas de différence. Ou alors, des fois, il y a dans les cultures, on voit qu'il y a un endroit où ça n'a pas poussé pareil. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'eau ou pas assez? Ce n'est pas évident de dire ça. Est-ce que le drain a quelque chose à voir là-dedans? On n'est même pas convaincu qu'ils sont encore fonctionnels parce qu'en fait, nous, rapidement, on s'est dit, bon, de toute façon, les drains, ce n'est pas grave. Les arbres vont les péter. Et je pense que voilà, c'est ce qui va se passer. Hein. On n'est pas censé avoir des... On n'est pas censé avoir des racines au-dessus des aussi grosses racines au-dessus des drains. Mais voilà, on se dit maintenant, on va plutôt partir sur un truc, c'est nos arbres qui vont gérer l'eau plus que les drains, et puis on verra. Du coup, il y a les drains, il y a les buttes pour gérer le trop d'eau. Les buttes, vous les reformez tous les ans? Non. Non, jamais. Comment ça en se fait du coup? Ça a été fait une fois au démarrage? Ça a été fait, j'ai dit au GPS, là. Ouais. Et puis après, en fait, c'est les apports de soit de compost, soit de bois qui maintiennent la butte. Comme aussi, on ne travaille pas le sol, ben, c'est peut-être ça qui fait que ça ne se lessive pas, ça se tient. Ouais, puis il y a le passage des roues. Oui, on repasse chaque année dans les allées. Le passage des roues vont presque avoir tendance à dessiner nos buttes, quoi. Et alors, ça, c'est un problème qui risque de se poser, un petit problème, mais qu'il faudra prendre en compte. Ça dessine un peu nos buttes. Mais ça tasse un peu nos allées et petit à petit, le tracteur il va être près de la butte. Parce qu'on remarque que nos buttes ont tendance à gonfler. Même maintenant qu'on met beaucoup moins, même maintenant qu'on a vachement freiné les apports. Parce qu'un sol, si tu le laisses tranquille, que tu fais un peu des apports de temps en temps, bah, petit à petit, la tendance, déjà ne serait-ce que parce qu'il se structure, donc il se remplit d'air, il est moins tassé, etc. Et donc on a un sol qui est un peu plus, nos buttes sont un peu plus volumineuses. Petit à petit, il y a le bas du tracteur qui va toucher la butte. Si ça continue comme ça, bon, bah, la solution, elle sera vite vue. On mettra du bois dans les allées. Ça va coûter cher, mais on fera ça. On a déjà commencé à le faire. C'est super. C'est vachement beau. C'est confortable. C'est beau. C'est propre. Tu t'enfonces pas quand tu marches. C'est vraiment bien. Mais bon, ça va faire beaucoup de bois quand même. Oui. En fait, on s'est un peu plombé les premières années parce qu'on s'est installé avec zéro expérience et on a tout de suite mis toutes nos billes dedans. Les serres, forage, drainage en même temps parce que l'année là il flottait à mort. On s'est dit bon bah hop, on fait un drainage parce que une fois que nos buttes seront en place, il sera plus temps de faire le drainage. Donc on le fait tout de suite au début. Alors tu payes 10 000 balles pour faire un drainage, là-bas tu payes 15 000 balles pour faire un forage. Tu te dis tiens, il y a trop d'eau, il y a pas assez d'eau. Enfin, donc on a tout fait. Le drainage par exemple, je sais pas si on le referait. Le motoculteur à 12 000 balles, on l'utilise plus. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a mis du temps à être viable. Vous êtes installé pour combien? 100, j'ai compté il n'y a pas longtemps, 140 000, je crois. Ouais, mais 140 000, au bout de combien de temps? Maintenant. Non. Si, les gros investissements, c'est ça? J'ai compté. Les gros. C'est quoi, du coup, majoritairement? Moi, j'aurais dit plus. Hein. Oui, mais non, c'est ça. Moi aussi, je pensais que c'était un peu plus. Mais... Les tunnels, 35 000 à l'époque, je crois. Ouais, on va dire 6 fois 5. Le drainage, c'était 6 000. La chambre froide, c'était 6 000. Non, le drainage, c'était 8 000. La chambre froide, c'était 6 500. Le forage, c'était 12 000. L'irrigation, comme on a refait, on a une partie qui est restée enterrée parce qu'on ne peut plus la ressortir. Parce qu'on l'a fait au mauvais endroit, par une expérience. On en est peut-être à 20 000. On a refait le point de vente. L'électricité, c'est 20 000 balles pour arriver sur la parcelle. J'oublie les trois quarts. Mais oui, enfin, il y a toute une liste. C'était interminable. Et d'ailleurs... D'ailleurs, en fait, on a investi les premières années, mauvais investissement, donc voilà, une balle dans le pied. Et après, il faut quand même réinvestir, il faut quand même se rééquiper correctement, etc. Donc, tu investis deux fois par une expérience. Donc voilà, si c'était à refaire, peut-être qu'il aurait fallu faire beaucoup de visites. Ouais. Beaucoup de visites de ferme. Je pense que c'est le meilleur truc. Oui. Mais voilà, quand je dis visite, ça peut même... Même sur YouTube ou quoi, hein. Vous êtes installé pour grosso modo 150 000 euros. Oui. Ça a été fait par emprunt. Ouais. En partie. On avait une DJA chacun. Ouais. Donc c'était 30 000, 31 200, je crois, chacun.
Donc d'abord, c'était 24 000 à l'installation et puis les 7 000 restants au bout de 4 ans ou 5 ans si tu as respecté les conditions, c'est-à-dire est-ce que tu es toujours à titre principal. Mmh. Et à l'époque, on demandait, mais ça a changé en cours de route, mais en théorie, on était censé pouvoir prouver qu'on arrivait à se payer entre une fois et six fois le SMIC. Ce qui n'est... Si on arrivait tout pile à ce moment-là, on y arrivait tout juste, mais en fait, cette condition a disparu. Donc, si je ne me trompe pas, la seule condition maintenant pour qu'ils versent le reste, c'est que tu sois toujours installé à titre principal et qu'en gros, tu fasses ce que tu peux pour développer ton activité, etc. Et alors, en fait, on avait un peu d'argent de côté tous les deux, donc tout est parti dans la ferme. La DGA, elle est partie en bonne partie dans la ferme aussi, dans les investissements de départ. Et puis, on a gardé ce qu'on pouvait pour vivre, heureusement, parce que les premières années, on était... Même encore maintenant, c'est vraiment... Ouais. Maintenant, on prend 1000 euros chacun. Donc tu vois, c'est pas... Et puis donc on a fait les crédits qu'on a pu quoi. Donc on rembourse ça, oui, je crois que c'est 8000 euros aux banques et 2000 euros à nos parents pour l'électricité. Par an. Okay. Donc c'est sûr que les charges, ça va assez vite. Je pense que sur la ferme, on est autour de 80 000. Charge annuelle ? Ouais, mais parce qu'il y a les vaches aussi. Il y a les vaches aussi. Partie pour les vaches. Et le chiffre des vaches ? Y a une partie qu'on vend en même temps que les légumes, alors c'est un parti mélangé, mais si on prend vraiment que les colis, ça va être 6-7 000, je sais pas. Ouais, 10 000. 10 000. Oui, 10 000. Ouais. Sachant qu'il y a de la PAC aussi, vu qu'on a des surfaces, on a un peu de PAC, on a 7 000 euros de PAC. Bah de toute façon, c'est pas, on fait 90 000 en maraîchage. Et le chiffre d'affaires total, c'est 110 000, quoi, à peu près. Avec les vaches et la PAC. Avec les vaches et la PAC. Du coup, oui, tu dis 80 000 en charge. Il y a quoi dedans ? Les remboursements d'annuités ? Ouais. Bah, si on commence... Alors, on n'est pas des experts en compta. Il y a des gens qui disent c'est des charges, c'est pas des charges. Nous, quand on parle de charges, on compte par exemple déjà nos salaires. Donc, c'est 12 000 euros chacun. Plus par vos an. Salariés. Vous êtes combien sur la ferme mais sur les total 12, sur les 12 000, donc nous, on prend 12 000 euros chacun par an. Mais on prend le crédit d'impôt en perso aussi. Donc on a 4 500 euros chacun de crédit d'impôt qui sont dans nos poches perso et pas sur la ferme. Après, il y a la MSA, c'est 8 000. 9, plutôt. Ouais, 9, 4 500 chacun, quoi. Ouais. Les banques, je l'ai dit, c'est 10 000. La main d'œuvre, c'est 10 000. Ouais. Tout ce qui est compost, bois, amendement, ça doit être autour de 3 000 à 4 000 à peu près. Les assurances, on a pas mal d'assurances, c'est 6 000, entre 5 et 6 000. D'assurer les serres. Ouais. Ouais. On les a réassurés après la tempête. Ouais. Entretien des machines, c'est 2000. Gasoil, ça doit être 1000. Électricité, 1000. Les semences et plants, bon, il y a très peu de plants, mais c'est peut-être 4500. Non. Tout compris. Ouais, 3000. Si, tout compris, on y est. Semences et plants, 3000-4000, ouais, sûr. Terreau, 1000. On en a oublié des gros, c'est sûr, mais... Et surtout, on oublie plein de petites, du petit matériel. Remplacement. L'irrigation, un filet par-ci, les ombrières par-là. Enfin, il y a toujours des petits trucs comme ça. Et vous arrivez à vous sortir quand même 1000 euros par mois. Oui. En fait, ce qui fait qu'à la fin, avec le crédit d'impôt, on est plutôt à 16 500 euros chacun par an. Ouais. Ce qui nous convient... Une année correcte. Hein. Une année correcte, mais aussi... C'est votre objectif ? Non, il faudrait quand même augmenter parce que... Mais on sait qu'en fait, on est dans des années où on rembourse beaucoup déjà. Donc, déjà, on est dans des années où on rembourse encore beaucoup et ça va se terminer assez vite. Hein. Je crois que d'ici 2-3 ans, il y a pas mal de crédits qui vont s'arrêter. Et on est aussi dans des années où on constate maintenant que saison après saison, nos charges ont tendance à diminuer légèrement et nos produits ont tendance à augmenter légèrement. Donc finalement, si on met tout ça bout à bout, on est assez content de la situation quand même. On a des temps... Enfin, c'est très relatif, mais par rapport à beaucoup de maraîchers, on travaille peu. C'est quoi peu ? Bah là, on dépasse jamais 55 heures. On dépasse plus 55 heures. Et là, on compte tout, papier, vente, temps dans les champs et tout ça. Ça, c'est sur les 7 mois d'été, on va dire. Et après, sur les 5 mois d'hiver, on va être un petit 30 heures en moyenne, même pas. Donc, lissé sur l'année, je pense qu'on est peut-être à 40-45. Vous commercialisez combien de mois ? 7. Ouais. 7, c'est ça. Mais à novembre inclus. Oui. Vous m'avez dit main-d'œuvre 10 000. Ouais, 10 000. Donc ça compte. Alors cette année, en l'occurrence, c'était deux personnes. Une personne qui était à 18 heures et une autre qui était à 8 heures semaine. De mai. Ouais, non, même avril. J'avais commencé en avril jusqu'à octobre. Donc ça, par exemple, c'est des charges.
qu'on va un peu diminuer dans le sens où finalement on se rend compte qu'en avril on a vraiment besoin, en octobre on n'a pas vraiment besoin. Donc par exemple déjà là ça va déjà faire 1 400 € juste sur le mois d'octobre, l'année prochaine on ne les aura pas je pense parce que voilà maintenant petit à petit en fait on est un peu mieux organisé donc on est un peu plus efficace etc. On planifie un peu mieux, comme je disais des saisons on avait des tonnes et des tonnes d'oignons mais c'est parce qu'ils étaient petits. En fait, si t'en fais des gros, t'es pas obligé d'en faire autant, quoi. Vous avez des coups de main, des stagiaires, des woofers Stagiaires, on a arrêté, là, depuis 2 ans. Je crois qu'on n'a pas eu de stagiaires. Par contre, on a 2 dames qui viennent nous aider, sa belle-mère et une amie, maintenant. Mais qui est une donc, ma belle-mère, qui est aussi salariée, par ailleurs, elle a 18 heures. Et elle fait aussi 8 heures de bénévolat. Contre et cette lesquelles... année, son mari vient aussi. Ouais, contre lesquels elle a tous les légumes et viandes qu'elle veut à volonté toute l'année, etc. Ça lui convient comme ça, nous aussi. L'année prochaine, on va peut-être lui faire un peu moins de... Elle pourrait continuer comme ça, mais nous, on se dit, voilà, elle travaille super bien, on est super contents. Donc, on va peut-être plutôt essayer de lui proposer 2-3 heures de plus et qu'elle ait un peu moins de bénévolat, quoi. Voilà, plus une autre dame, qui vient le mercredi toute la journée. Enfin, non, d'ailleurs, elle vient plus toute la journée, mais qui nous ont beaucoup aidés, ouais. À partir de quand vous avez commencé à prendre des saisonniers? Dès la première année? Non, pas du tout. C'est seulement... Alors, Valérie, c'est sa 2e année. C'était notre première salariée. Ouais. Ça fait seulement 2 ans. Ouais. Okay. Oui, c'est pour ça que je dis que maintenant, on fait plus que 55 heures. Mais avant ça, on faisait des semaines à 70, 80. Mais bon, c'est pas une vie au bout d'un moment. Enfin, il y en a pour qui ça va, mais je veux dire, c'est quand même un boulot physique. 70 heures de maraîchage, tu le sens quand même passer. Donc après, si t'as plus de loisirs à côté, plus rien. Vous arrivez à vous libérer des week-ends, à prendre des congés? Non, pas tellement, mais en fait, peut-être là-dessus, on est un peu en désaccord. Moi, les week-ends, je ne ressens vraiment pas le besoin. Parce que j'aime beaucoup mon boulot et je sais que j'ai une période vachement plus calme en hiver. Donc, je ne ressens pas vraiment le besoin de partir en vacances. Les premières saisons, on était foutus en juin. Puis en juillet, tu sais, claqué, quoi. Plus d'énergie, plus envie. Tu te dis, ouais, ça va être interminable et tout. Puis là, finalement, on arrive fin septembre et ça va. C'est cool, donc on va bientôt rentrer dans notre période. Nous, on ne considère pas qu'on est en vacances parce qu'on va quand même travailler nos 30 heures, etc., semaine. Mais dès que la commercialisation est finie, c'est plus le même rythme. Il n'y a plus les récoltes imposées. Si un jour il fait moche, ben on n'y va pas, tant pis. Donc à partir de là, on considère que c'est nos vacances, quoi. Et surtout, on est en vacances un peu psychologiquement parce qu'en fait... On aime beaucoup notre clientèle, nos ventes à la ferme et tout, mais tout notre stress tourne autour de ça. Stress financier, est-ce qu'on aura du monde, pas assez de monde, quantité il faut récolter, il faut se dépêcher de récolter parce que la vente c'est bientôt. Donc en fait, on a une grosse source de stress autour de tout ça, et dès qu'on termine en novembre, décembre, là, c'est fini. Seulement si on a fait une bonne année. Oui, seulement si on a fait une mauvaise année, l'hiver est un peu moins cool, quoi. Mais donc voilà, par rapport au week-end. Le matin, par exemple, moi, je traîne parce que c'est moi qui emmène mes filles à l'école et chez la nounou, etc. Et je ne me presse pas le matin, je les emmène tranquillement en vélo. Donc, on fait nos heures, mais on a plein d'autres, avantages tout le reste de l'année, quoi. OK. Tant qu'on est sur l'organisation un petit peu de la semaine, comment vous gérez, vous, l'organisation entre vous deux? Est-ce qu'il y en a qui a une tâche plus que l'autre, comment est-ce que vous répartissez le travail? Il y a des choses qui sont faites naturellement. Par exemple, c'est toujours moi qui fais les livraisons. J'ai de la chance, on en fait moins parce qu'il y a du monde à la ferme. Moi, je vais plutôt faire les livraisons. Lui, il fait le plan de culture, par exemple. Ça, c'est comme ça. Et au quotidien, en général, on s'envoie un SMS le matin. Et selon ce qu'il y a à faire, on s'attend ou on ne s'attend pas. Mais alors, généralement, on commence à 9h. On essaye de finir vers 18h quand il n'y a pas de vente. Et voilà, ça s'organise comme ça. Ouais, les tâches, elles se sont réparties. Il y a des tâches qu'on va systématiquement faire ensemble, notamment les récoltes, par exemple. Et puis, il y en a d'autres. À la vente, c'est lui qui fait la caisse, c'est moi qui ravitaille le magasin. C'est comme ça, ça s'est fait comme ça. La planif, c'est moi. Les livraisons, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a? Les vaches, c'est plus souvent moi. Ouais. Et vous disiez, parce que vous êtes jumeaux, vous avez une façon particulière de travailler ensemble, de bien communiquer. Bien ou pas? Non, avec ton jumeau, tu prends pas de gants.
Tu vois, si, enfin moi par exemple, si je casse un truc bêtement, tu peux être dur avec toi-même, tu t'en veux, etc. Bah quand c'est ton jumeau, tu en veux pareil en fait. Alors que si c'est quelqu'un d'autre, je vais lui dire, écoute, ça peut arriver, c'est ouais, comme c'est ça. Pas grave, intérieurement t'es comme ça, mais ouais. Tu vas dire, ouais, c'est pas grave. Ouais. Et alors qu'avec ton jumeau, t'es vraiment trop con, toi, pourquoi tu fais ça. Mais par contre, il y a aussi un lien qui est vraiment fort. Je veux pas dire qu'on est quasiment la même personne, mais on marche quand même ensemble. Et du coup, malgré que ça puisse des fois un peu chauffer, ou surtout au début, bah on se comprend toujours, on s'entend. De toute façon, l'objectif final, c'est le même. Nous, on veut faire une ferme en agroécologie et on veut vivre simplement, mais grâce à ça. Et sur les grandes lignes, on est d'accord. Alors, des fois, il y en a un qui veut passer par là, l'autre par là. Mais globalement, là, ça fight parce qu'on n'est pas trop. Mais on sait qu'on veut tous les deux la même chose et on a les mêmes ambitions. On a les mêmes, tu vois, il n'y en a pas un qui dit ouais, il faut faire plus de parcelles parce que moi, je voudrais gagner plus parce que je veux ci ou ça. Non, on a les mêmes envies. Quoi. Mmh. Donc, Ça, je pense que c'est hyper important. Quoi. Déjà, enfin bon, ça c'est. Moi, étant jumeau, j'ai peut-être plus de mal que quelqu'un d'autre à appréhender une installation seule. Mais une fois que ça s'est dit, je dis quand même que ça me paraît très lourd à porter seul. Quoi. Alors après, toutes les installations sont différentes. On peut partir sur des systèmes à très faible charge. On a besoin de vendre moins, du coup, de communiquer moins, etc. Mais je suis quand même content de pas le porter seul, quoi. Et ça, c'est vrai que du coup, être avec quelqu'un qui partage les mêmes ambitions que toi, je pense, les valeurs fondamentales, est-ce que tu veux travailler plus pour gagner plus ou est-ce que tu veux travailler moins? Enfin, c'est des choses, ça peut vite compliquer considérablement la donne, quoi. Vous avez mis au clair dès le début ou... Non, je crois que c'est dans nos caractères, on sait qu'on a un peu les mêmes objectifs dans la vie, quoi. On vit pas pour travailler, quoi. Donc. Oui, il faut que ça reste confortable. Enfin, confortable, c'est un grand mot. C'est quand même vraiment laborieux comme métier, quoi. Mais ça nous plaît, donc on s'y retrouve comme ça, à condition que ce ne soit pas la course tout le temps à vouloir faire plus. Maintenant, à un moment, nous, si on s'y retrouve dans les chiffres et qu'on arrive peut-être un jour à 1 500 € de salaire, ben, je pense qu'on s'adaptera avec ça. Et tant pis si le taux horaire il est pas terrible. Voilà, c'est oui, ça, on l'a choisi. Disons que c'est aussi un choix de vie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement ce métier comme on ferait n'importe quel autre métier. Il y a des convictions écologiques et notamment, c'est un métier où on ne va pas devenir riche, mais tant mieux parce qu'on cherche plutôt à vivre sobrement. Alors, ce n'est pas forcément le cas, je ne dis pas que c'est le cas, hein. Mais c'est ce vers quoi on voudrait aller, quoi. Donc, on ne va pas forcément chercher à gagner des milliers, des cents. On ne va pas forcément chercher à avoir des week-ends et des vacances parce que de toute façon, les déplacements et tout ça, voilà, on va limiter. Ça, c'est un peu dans notre nature, on va dire, quoi. Et du coup, voilà, le projet correspond à partir du moment où la ferme va bien et nous, si nos foyers respectifs s'en sortent. Une maison est bien mangée et puis c'est tout, quoi. Donc, le projet, a priori, nous permet ça, quoi. On va réussir à financer nos maisons, on mange correctement, voilà. Ok. Vous êtes beaucoup formé au départ. Ouais. Aujourd'hui encore, après 8 ans d'installation, vous continuez à vous former. Oui. Et En fait, je dirais même l'inverse, on ne s'est pas beaucoup formé au départ. On s'est installé sans rien et les premières années, on a fait un gros boulot. Maintenant, on relâche quand même un petit peu. Maintenant, on se forme plus sur le légume, vraiment, depuis besoin. Depuis cette année, oui. C'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière, on se disait vraiment, on se posait de grosses questions agronomiques. Est-ce qu'on est dans le vrai avec le bois? Je dirais même de manière générale, est-ce qu'on est dans le vrai avec le non-travail du sol? Est-ce que potentiellement on ne met pas trop de compost et du coup, je ne sais pas ce que ça pourrait avoir comme conséquence, trop d'azote qui se lessive, etc. On s'est posé énormément de questions là-dessus, on a axé toutes nos vidéos, formations là-dessus. Et puis, d'après ce qu'on a pu en tirer, ce n'est pas trop mal. Quoi. Je pense à peut-être un moment où on a porté un peu, les apports massifs étaient peut-être un peu trop massifs. Ouais. Mais de toute façon, on s'était dit ça va être 1 an, 2 ans, le temps de donner vraiment un coup de départ. Et puis après, de toute façon, l'idée c'était quand même de diminuer les doses. Quoi. Donc voilà, maintenant qu'on considère que notre système est en route, on diminue les doses et du coup on se pose moins de questions agronomiques parce qu'on voit bien que notre sol est mieux chaque année, que nos rendements sont mieux chaque année, qu'on ne s'est jamais trop soucié des maladies mais qu'on n'a pas de problème de ce côté-là non plus. Donc vous avez plus de temps pour vous soucier d'autres sujets? Et bien du coup, plus technique sur zéro végétatif, zéro de croissance, comment est-ce qu'on taille, besoin en arrosage. Cette année c'était beaucoup ça, les besoins en eau, ouais. des choses de base. Hein. Les besoins en NPK, par contre, on ne fait jamais. Ça, on compte que sur le sol, donc on ne fertilise jamais, même pas des granulés, des bouchons, de la fiente de poule, ou ça, on n'utilise pas. On part du principe que si ce à quoi on croit est juste, on n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. Et où est-ce que vous allez chercher vos références, du coup, sur le côté technique légumes? Là, on travaille avec un technicien indépendant, par exemple. Il y a Charles Souillot. Charles Souillot, oui.
Il y a Bio en Grand Est qui dispose, qui dispense, les bases de données aussi. Ouais, ouais, qui propose des formations techniques, notamment en hiver, donc ça tombe bien. Et puis on a changé de semencier, on a beaucoup travaillé à AgroSemences et encore maintenant on complète chez eux, mais on fait le plus gros de nos commandes chez ProSem. Qui conseille aussi. Et ouais, technico-commercial. Et qui vous apporte de l'info en même temps. Ouais. En fait, ouais, nous, jusqu'à encore aujourd'hui, de toute façon, je pense qu'il faut rester assez humble dans ces boulots-là. L'agronomie, c'est très complexe. Le végétal, c'est très complexe. Et du coup, nous, très rapidement, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on se fasse accompagner. D'abord sur l'agronomie, parce que ça nous paraissait un pilier de base. Notamment parce qu'on avait aussi des ambitions écologiques sur ce projet, quoi. On veut faire les choses bien, on travaille de sol et tout. Donc, d'abord, capter du CO2 et tout ça. Donc d'abord, on a axé sur l'agronomie. Et une fois qu'on a eu l'impression que notre système était en route, qu'on a eu l'impression d'avoir compris au moins les grandes lignes, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on se forme sur la technique, sur la connaissance des végétaux, etc. Sur le choix des variétés. Donc, et là, du coup, le technicien ProSem... Ça, c'est l'avantage quand tu pars de zéro. Hein, tu te dis, quand tu pars de zéro, de toute façon, tu connais rien, tu ne vas pas l'inventer, quoi. Donc, il y a des gens qui connaissent ça très bien, il faut travailler avec eux, quoi. Faut pas... Et alors aussi, avec Charles, avec le conseiller indépendant, là, c'était un vrai plus au niveau de l'ambiance entre nous. Ouais. Parce qu'on débattait tout le temps pour tout, qu'est-ce qu'on amène, comment on arrose, etc. Et à un moment, quand on tombait pas d'accord, bon, Charles, on fait quoi? Vous faites ça, tac. Et il tranchait. Oui. Et donc, pour nous, c'était, au niveau de l'ambiance, c'était super. Et puis, on faisait tout et n'importe quoi sur les premières, dans les catalogues de semences, ils te disent au début, ouais, ça, tu peux le faire la mâche vite, par exemple, tu peux la faire toute l'année. Ben, chez nous, pas. Bah, en tout cas, on n'a pas compris. En tout cas, nous, on n'y arrive pas. Et quand on demande au technicien, que ce soit le technicien indépendant ou de ProSem, le gars, il nous dit, ben non, en fait, ici, ça marche pas. Et ça t'évite de consacrer des planches et des planches entières pour des cultures qui vont rien donner, quoi. Donc, nous, ça a été un vrai plus. Et je pense que. Donc, en fait, on a droit d'appeler, tu vois, ou d'envoyer des messages quand on veut. Et ça nous donne vraiment. C'est un sacré coup de main, quoi. Ouais, surtout comme dit, quand on part de zéro, quoi. On connaît rien. Comment tu veux deviner comment ça se taille, un concombre, un melon Ça s'invente pas, quoi. Donc. Maintenant, petit à petit, et puis c'est bien parce que du coup, tu vois le résultat sur les cultures. Elles sont plantées à un moment qui est plus judicieux. Elles sont taillées comme il faut. Donc elles sont moins malades. Elles sont moins malades. Tu vois, les tomates, par exemple, couper les têtes. Moi, j'aurais jamais coupé les têtes. Alors, Charles, si tu m'entends, mi-août, tu vois, couper les têtes mi-août. En fait, si, ça sert à rien de les laisser plus longtemps. De toute façon, ça n'ira pas au bout. Donc. En termes de suivi technique, vous êtes lié un petit peu aux groupes régionaux, GAP, SIVAM, CHAMP, tout ça. Vous avez beaucoup, des échanges un peu. Beaucoup bio en Grand Est. Mais c'est à peu près tout. La chambre, pas tant. Hein, non, la chambre, pas tant. Ça vous permet d'avoir des échanges avec d'autres maraîchers, certains. Ouais, ouais, on les voit beaucoup, nos collègues. Déjà, c'est nos potes en même temps. Et puis même les collègues qui sont un peu moins nos potes parce qu'ils sont juste un petit peu plus loin et qu'on voit moins souvent. Ouais, on a souvent des rencontres, soit des formations communes, soit des rencontres de fin d'année comme ça. Donc. Ou sur Internet, il y a des groupes sur Facebook de maraîchage. Et donc là, on passe aussi beaucoup de temps là-dessus. Quand on a des questions, on pose des questions là-dessus aussi. Et ça, c'est un vrai plus. Donc beaucoup d'échanges entre pairs. Ouais, ouais, ouais. Énormément. Comment est-ce que vous vendez vos légumes à la ferme? On vend 90% sur notre point de vente à la ferme. Et les 10% restants? Et les 10%, c'est encore, je dis que... C'est plutôt peut-être 95%. Ouais. Ou... Les pourcents restants, c'est un EHPAD, un ou deux restos. Et puis là, on a la ville de Sarrebourg, la ville à côté, là, l'amicale de la ville qui nous a contactés pour fournir des paniers. Aux gens de l'amicale, quoi, aux gens qui travaillent à la ville de Sarrebourg. C'est quoi du coup? On s'est mis d'accord avec l'organisation de l'amicale. Là. Ils nous ont demandé, on s'est mis d'accord sur des paniers à 12 euros et on met ce qu'on veut dedans. Et il y a un nombre minimum de paniers? Des fois c'est 40, des fois c'est 40. Oui, nous, si c'est au-dessus de 10, on y va. Ouais. Quoi. C'est à 10 minutes. Mais alors là, c'est ça aussi qu'on voulait, c'était que ça soit assez flexible. Alors ils peuvent commander toutes les semaines ou ils peuvent ne pas commander pendant plusieurs semaines. Ça peut être 40 une semaine, 20 la semaine d'après. En fait, on les livre le jeudi matin, donc après notre vente du mercredi soir, on leur demande de nous passer la commande le mardi. Comme ça, on le sait à l'avance et on va récolter un peu plus. Et le mercredi soir, après notre vente, on prépare les paniers et puis on livre. Quoi. Donc, c'est pas... Enfin, le jeudi, on livre. Donc, c'est... Voilà, il y a beaucoup de flexibilité. Et pour le reste, ouais, un bon 90%, on va dire, à la ferme. Donc, un créneau de vente le mercredi soir de 17h à 19h et un créneau le samedi matin de 10h à midi et demi.
Faites combien à peu près en chiffres par vente à la semaine? À la semaine, en ce moment-là, on est sur un objectif bas. Enfin non, pas bas. Notre objectif, c'est d'être au moins à 4000 euros semaine. 4000 semaines. Ce qui demande quand même d'avoir du monde, mais en même temps, on peut faire plus. Donc, c'est... Ouais, c'est disons que là, 4000 euros, ouais. C'est 4000 euros maintenant, parce que nous, comme on l'a déjà dit, on démarre pas vite au printemps. Notamment, peut-être aussi parce que nos sols chauffent moins vite, etc. Mais du coup, au printemps, on va être à moins. Mais ouais, là, sur ces périodes-là, ouais, 4000. Ça vous fait combien de passages, là, sur les points de vente, du coup? Sur septembre, octobre, samedi, c'était une très bonne vente, il y avait 113 personnes. Ouais. Et mercredi, c'était un peu moins bon, il y a eu 78 personnes. Globalement, on est souvent 80 le mercredi, 85 le mercredi et peut-être 95, 100, 105 le samedi en général. Et on constate plutôt une tendance à l'augmentation d'une année sur l'autre. C'est pour ça aussi qu'en fait, les années précédentes, on livrait un peu plus. Alors, il fallait qu'on appelle plus de restos, trouver plus de trucs pour livrer. Là, maintenant, on est content parce qu'on arrive quasiment à tout vendre. Le panier moyen, vous avez une idée? C'est lui qui a la caisse. C'est dur à dire. On avait compté, je crois. C'est très aléatoire. On doit être autour de 25, peut-être. Et puis alors, t'as des ventes où tout le monde va prendre un grand panier. Et puis après, t'as une vente où tout le monde prend un petit panier. C'est très compliqué de trouver de la régularité. Ce qui fait aussi que c'est assez compliqué de trouver de la régularité dans les récoltes. Des fois, il faut qu'on récolte 100 bottes de carottes. Des fois, 40 suffisent. On a juste comme ça. Mais comme on a de toute façon des ventes assez régulières... En fait, on jette rien, ça tient toujours d'une vente à la suivante. On ajustera sur nos récoltes pour la fois d'après, quoi. Donc, en fait, on est super content de notre commercialisation. On a vraiment du monde, mais on a vraiment besoin d'avoir du monde. Oui, on n'a jamais trop de monde pour les gens. On s'inquiète des fois un petit peu parce que quand il y a 110 personnes en 2h, 2h30 le samedi matin, il peut y avoir de l'attente. Des fois, il y a un peu d'attente. Il y a un vrai rush, quoi, à la vente. Donc, pour les gens, c'est plein à craquer, mais nous, on a besoin que ça soit comme ça. On est content parce que les premières années, ça a mis du temps. J'allais dire, c'est à partir de quand est-ce que... Fin 2019, on a fait les premières grosses ventes, mais d'un coup. Fin 2019. Il y a eu le Covid, c'était le début du Covid ou c'était avant? Non, ça c'était avant 2020. Ah, ouais. Fin 2019, il y a eu les premières ventes à 80-90 personnes. Ça avait augmenté chaque année, c'était un peu mieux. Et fin 2019, je ne sais pas comment ça se fait, il y a eu peut-être... Oui, je crois qu'il y avait la tempête aussi. Donc je pense qu'il y a eu un mouvement de solidarité de gens qui ont voulu venir nous aider. Déjà, on s'est fait voir, puisque comme il y avait les accidents de la tempête, on a fait une cagnotte, il y a les journaux locaux qui sont venus. Bon, ce n'était pas la première fois qu'ils venaient. Je pense qu'ils étaient déjà venus, je pense qu'ils avaient déjà eu un impact. Sauf que sur les premières fois, notamment quand on s'est installé, en fait, ils ont fait venir du monde, mais nous, on n'était pas prêts. Les légumes étaient ratés, pas dans les quantités qu'il faut, etc. Et du coup, c'était se tirer une balle dans le pied presque. On a fait venir des gens qui potentiellement ont été déçus. Voilà. Alors qu'après, quand ils sont revenus avec la tempête, ça a refait venir du monde encore plus parce qu'il y avait un mouvement de solidarité, je pense. Et là, nous, on avait un peu progressé. Et du coup, les gens qui sont venus à ce moment-là ont continué de venir. Et puis après, bouche à oreille. Voilà, quoi. Après 2020, c'était un niveau chiffre d'affaires, c'était un grand pas en avant. On a fait un bond. 2019, on devait être à 50 000. 2020, on a fait peut-être 75 000. 2021, ça a continué d'augmenter. On était à 80 000, je pense, 85. 2022, 90 000. Et puis 2023, on aimerait faire 100 000. Quoi. En maraîchage. En maraîchage. Parce qu'après, oui, il y a un peu de viande. Mais donc, ouais, ça a continué d'augmenter. Visiblement, les gens sont contents. Là, maintenant, on voit qu'il faut continuer, c'est viable. Enfin, c'est encore ric-rac, mais on avance bien, quoi. Donc, tu penses que le fait de vendre de mai à novembre... Ouais, ça évite une lassitude, le fait de mettre un stop dans l'année à un moment. Pour nous... Ça vous sert sur les ventes. On avait peur de l'inverse. Et ce qui est sûr, c'est que d'année en année, il y a de plus en plus de monde et ils jouent le jeu. À chaque fois, ils nous demandent quand on ouvre. Et on avait longtemps peur de perdre les clients en route et finalement, ils reviennent souvent très motivés. Et puis en fait, on explique, c'est pas tellement... Parce que les gens pensent souvent qu'après, on est en vacances pendant 5 mois. C'est pas du tout ça. En fait, on a un mois de coupure. Le reste, c'est apport de bois. Et puis après, en février, c'est déjà de nouveau les premiers semis, puis les plantations, janvier, etc. Janvier même, les carottes. Donc c'est même pas tellement pour prendre des vacances, mais déjà, on veut faire des engrais verts. Donc on arrive à les caser à la fin des dernières cultures, on va réussir à caser un engrais vert qu'on va laisser quasiment tout l'hiver. Et après, comme on est en non-travail de sol, il faut un temps assez important d'occultation, d'office. Et aussi, si on voulait vendre en hiver, ça voudrait dire par exemple qu'on devrait faire plus de choux, moins de tomates. Ou tu vois ce que je veux dire, moins de légumes d'été. Voilà. Et je ne suis pas persuadé que les gens courent plus après les choux qu'après les tomates. Donc en fait, nous on se dit on va plutôt
concentrer notre gamme sur ce que les gens aiment, tu vois, vraiment le plus. Et puis en hiver, après, en hiver, nous, on aura encore des céleris, des poireaux et des trucs, mais plus forcément dans des quantités suffisantes qui justifieraient de... Puis la crainte pourrait être d'avoir des difficultés à relancer votre, vos ventes au printemps, mais vous, vos clients reviennent à chaque fois, pas de souci là-dessus. Ouais, non, vraiment, ils reviennent plus motivés, en fait, je pense. Pour ceux qui sont allés dans un circuit classique, ben là, il faut regarder les prix en ce moment au supermarché. Le bio est beaucoup plus cher que ce qu'on propose nous. Donc déjà, je pense qu'ils se rendent compte que finalement, c'est plus intéressant chez nous en termes de prix et je pense qu'en termes de qualité aussi. Et du coup, je pense que pour la plupart, ils ont hâte qu'on reprenne et ils sont là, ils redémarrent et on les voit toute la saison. Quoi. Bon, après, il y a quand même des efforts de communication qui sont faits, mais toute l'année, pas spécifiquement la reprise. Peut-être. Lui, il va publier des trucs sur Facebook assez régulièrement, et puis on essaye petit à petit, on le faisait assez peu, mais petit à petit, de faire de plus en plus de photos pour amener de l'eau à son moulin, quoi, pour qu'il... Votre canal de communication, c'est Facebook ? Ouais, mais moi, j'ai aussi les numéros des clients qui veulent bien me donner leur numéro, et du coup, j'envoie un SMS avant chaque vente. J'attends pas de réponse, mais c'est juste, je sais qu'il y a des clients qui n'ont pas besoin et qui savent que voilà, les ventes, c'est comme ci, comme ça. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui aiment bien avoir une petite piqûre de rappel avant chaque vente. Et dedans, tu détailles ce que... Non, je détaille pas trop, parce que plus je détaille, plus le message est long, plus le téléphone galère. Des fois, je me fais supprimer la ligne parce que j'envoie trop de personnes en même temps. Enfin, tu vois. Mais obligé, parce que si lui ne le fait pas sur Facebook ou moi sur le téléphone, peut-être deux fois moins. Ouais. Pour qu'on ait un ordre d'idée, tu dis on vend moins cher qu'en bio. Ouais. Aujourd'hui, septembre 2023, la carotte tu la vends combien ? La tomate tu la vends combien ? La tomate 3,90. Alors qu'en variété ancienne, c'est souvent 6. Et la carotte 2,90. Mais bottes, toujours fraîches, tu vois, c'est pas de la carotte de conservation quoi. D'accord. Concernant les matières organiques, du coup, je vous avais dit que je reviendrais dessus. Ouais. J'ai entendu compost et broyat de bois. Ouais. Le compost, qu'est-ce que c'est comme compost ? Il vient d'où et vous l'avez à combien ? Alors, c'est du compost de déchets verts en 0,20, je crois, la granulométrie. Il est quand même assez grossier. Il y a vraiment encore du bois dedans. Il n'est pas mûr de chez mûr, hein, pas du tout. Vous avez un peu des analyses ou le rapport carbone-azote qu'il y a dedans ? Je dirais 12, mais c'est sur N, non ? Je ne sais pas du tout. Et après sur en fait nous le compost il nous sert plus il nous sert même uniquement pour les semis directs. Comme on veut pas travailler le sol, on met une petite couche de compost et on sème là dedans. C'est notre lit de semence. Et en quantité ça vous fait combien à l'année? Alors ça a beaucoup changé les toutes premières années quand on s'est dit qu'il fallait mettre du compost. Là on a fait des gros apports pour vraiment donc ça pouvait être et partout même partout dans l'objectif de mettre un coup de boost, un coup de départ quoi. Là pour le coup c'était vraiment un amendement quoi, donc ça pouvait être jusqu'à 100 tonnes hectares, 200 tonnes hectares mais très rapidement on s'est dit bon, l'apport là est bon, maintenant le sol il y a ce qu'il faut, le reste c'est le carbone qui l'apporte. Et donc le compost, on l'utilise plus que pour les semis directs. Et donc on va dire, ça représente c'est un mètre cube par plan, je crois. Ou... Non, ça c'était au c'est début. Un mètre cube pour deux. Non, mais pour un semis direct, on est encore sur les mêmes quantités. Ouais, ça doit être un mètre cube pour deux planches. Mais vous avez un quart de vos planches qui passent par an. Moins, en semis direct, moins. Ouais, ouais, quand tu vois rien que les courges, les oignons, ce que ça prend comme place, peut-être les choux. Un cinquième plutôt. Ouais. Ok. Et en termes de prix? En termes de prix, je dirais qu'actuellement, on doit être autour de 600 euros le camion. Et c'est 52 mètres cubes. Ils viennent de loin ? Non, c'est une plate. Enfin, loin, c'est relatif. Ça doit être quoi ? Une heure de route en camion, je pense. D'accord. Donc il y a les frais de la livraison avec aussi. Ouais, c'est livraison inclus. Moi, je dirais qu'à la tonne, c'est autour de 20 euros, 19 euros. 20 euros, 23 euros livrés à la tonne, quoi. Ça a toujours été ça ? Non, ils ont un peu augmenté. Ça a bien augmenté. Ouais. On était au tout début, on était à 15, je crois, ou 16. Après, nous, enfin, on a vite fait les calculs. Hein. Pour nous, si tu sors un kilo de carottes en plus parce que tu n'as pas eu de désherbage et parce que tu as bien amendé, ton compost, il va être amorti. Donc, et encore, si c'est déjà bon un raisonnement sur la première culture. Ouais. En réalité, le compost, il va être là pendant 10 ans. Ouais. Donc, je crois que il le donne à 10% par an. Il minéralise à 10% par an. Donc, c'est quand même un amendement de fond. Sur la première culture, on l'amortit déjà. Ouais. Parce que tu as fait juste un kilo de carottes de plus, voilà, ça y est, c'est réglé. Et encore, on pourrait aller beaucoup plus loin. Comme on fait un lit de semences de quelques centimètres, on va beaucoup ralentir le désherbage aussi. Surtout sur les annuels.
ça empêche la levée. S'il y a des vivaces à côté, par exemple, à un moment, elles vont le traverser. Ou même les chardons, tout ça, ça va traverser. Mais tout ce qui est kénopode, etc., en général, ça lève pas. Donc, ça arrive assez régulièrement qu'on fasse des planches de carottes, zéro désherbage. Si tu avais mis l'argent du compost dans le désherbage, le désherbage, ça t'aurait coûté plus cher que de mettre du compost. Alors ça, c'était une grosse question quand même pour nous, parce qu'en fait, assez rapidement, on s'est dit qu'en MSV, il y a une condition sine qua non, c'est la litière. Et donc c'est à ce moment-là aussi qu'en 2019, on s'est dit, quand on a tout refait, on s'est dit, bon, ben nous, visiblement, on est bon pour amener du compost et surtout du carbone. Faut qu'on arrive à le faire de manière efficace. Au début, on le faisait avec une bennette 3 points. Donc lui, il roulait le tracteur et moi, j'étais derrière et je faisais tomber le compost planche par planche ou le bois. Et puis en fait, très rapidement, c'était des heures de travail. On n'allait pas très vite quand même. Et à un moment, on s'est dit, bon, on va s'équiper. Donc on a pris un godet dessileur. On a réfléchi pour que le tracteur, il passe, qu'il ait le bon empattement, etc. Et donc maintenant, je pense que... J'avais regardé... Si le tas de compost est là-haut et que je fais les planches qui sont pas loin, je vais faire à peu près 17 planches à l'heure. À l'heure. Avant, quand on faisait une journée complète, on en faisait 12. Quoi. Ouais. Et 17 planches à l'heure, j'ai pas transpiré. Faut pas qu'il y ait quelqu'un dans les environs, mais ça va vite. Du coup, tu fais quoi ? Tu pars, tu charges, en fait, tu viens, ouais, tu déposes, tu passes sur la planche et tu distribues au fur et à mesure. Un godet dessileur, c'est ce qu'ils utilisent beaucoup en élevage pour nourrir les bêtes. Quoi. Donc, ils roulent et puis le godet, il distribue sur le côté. Alors, ça distribue de façon très homogène. Et après, les quantités, on les ajuste avec la vitesse du tracteur. Quoi. Si on veut en mettre ça, c'est vraiment un andin et derrière, très propre. Tu viens étaler. Et derrière, il faut encore l'étaler. Donc, vous faites ça à deux, un tracteur. Lui, il fait le tracteur et moi, je nivelle derrière. Donc, on s'est dit qu'il fallait mécaniser ça. Et ça, je pense qu'en MSV, je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que si tu ne veux pas travailler le sol, il faut que les vers de terre et les insectes le fassent à ta place. Mais pour qu'ils le fassent, il faut ramener à bouffer. Maintenant, on est très content de faire ce métier. On voudrait durer et ramener des tonnes de matière comme on l'a fait à la main. C'est sur les années. Enfin, pour le moment, ça va, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc on s'est dit faut mécaniser ça quoi. Et nous la mécanisation sur la ferme elle sert surtout à la logistique. Soit la logistique des légumes pour les ramener d'ici à notre point de vente qui est pas loin, même pas un kilomètre, hein, mais faut quand même les ramener. On doit quand même faire à peu près 30 tonnes de légumes par an, donc faut les acheminer quand même. Et puis effectivement beaucoup pour les apports de matière organique quoi. Et du coup le compost. Et après, tu parlais de broyat. Ouais. Mais avant de parler du broyat, on va parler de la paille, parce que c'est par là qu'on a commencé. Dès 2017, on a mis des grosses couches de paille. Et pour le coup, on a déjà mis des 60 tonnes hectares. Donc en paille, ça fait des trucs comme ça. C'est quoi, c'était la patate ? Non, pour tout. Tout le champ, entier. En décembre, on faisait ça. Nous, décembre, janvier, c'est génial. Et alors, attends, parce que les premières années, on faisait ça à la main. Ouais. On faisait tout le champ à la main. Donc, dérouliez la balle. Non, c'était les grosses, c'était les rectangles carrés. On l'a posé en bord d'îlot. Et puis après, on prenait tranche après tranche. Il manque pas que tu aies une année où la moisson s'est pas bien passée. La paille est humide et elle colle. Alors là, tu t'amuses pendant 10 minutes à chaque tranche. Voilà. Et là aussi, rapidement, on se dit, c'est bien, mais il faut mécaniser. En fait, c'est pour ça qu'on avait laissé des couloirs. Et pas de fin d'azote, hein, je précise quand même. Ouais. Même avec les 60 tonnes, comme on ne la mélangeait pas, effectivement, là, non, on s'est dit, MSV, surtout François Mullier, à l'époque, il faisait encore les vidéos, il disait, si vous ne mélangez pas, pas de fin d'azote. Et on a testé, effectivement, pas de fin d'azote, quoi. Et puis avec le compost en dessous, ça va bien aussi. À l'époque, on n'avait même pas encore On n'avait pas encore de compost. Par contre, on avait un sol quand même assez riche au départ, hein, donc c'est sûrement aussi grâce à ça. Donc, il y avait un stock d'azote qui était naturellement présent. Vous le travaillez au démarrage, donc il minéralisait aussi. Ouais. Et en fait, après, donc, les premières années, on faisait ça à la main. Et puis en 2019, quand on a reformaté le champ, reformé les buttes et tout, c'était aussi une des logiques. C'était qu'il fallait qu'on puisse mécaniser les apports de paille. D'où les planches de 20 mètres et d'où les couloirs qu'on voit entre. En fait, du coup, on demandait à notre copain agriculteur, hein, qui n'est pas très loin, de venir avec son tracteur et sa pailleuse. Et on lui chargeait la pailleuse avec un valet de ferme. Et puis il trissait, il faisait les 10 mètres du haut depuis là-bas. Après, il se mettait dans le couloir, il faisait les 10 mètres du bas. Et puis les 10 mètres là. Et puis du coup, en 6 heures, on faisait ce qu'on mettait 2-3 semaines à faire. En une journée, tout le champ était fait. Mais en fait, très rapidement, la paille, on a arrêté quand même. Parce que, je reviens dessus, c'était de la paille broyée. Après, non, au tout début, c'était de la paille entière. Au tout début, c'était de la longue paille. Là, c'est vraiment pénible parce que ça prend un volume pas possible. Ouais. Et en fait, une fois que c'était de la paille broyée, c'était déjà beaucoup plus agréable pour planter à travers, etc. C'était quand même mieux.
Mais assez rapidement, on s'est dit que le bois, ça serait encore mieux. Et toujours sur la paille, du coup, vous la mettiez en plein hiver. Ouais. Ouais. Et pas de problème de réchauffement des sols au printemps ? Si. Si, mais nous, on, dans nos, dans comment, on voulait comment démarrer tard. Oui, comme vous démarrez tard. Donc globalement, ça allait. Par contre, on avait des problèmes de rongeurs. Et ça, je pense qu'on a compris que les longues occultations d'hiver avec encore un bon lit de paille, pour les rongeurs, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Et là, on avait de la casse. Il y a eu des années où on a eu peut-être environ, pour c'est estimé comme ça, mais 15 000 euros de dégâts sur des chiffres d'affaires de 50 000 à l'époque. Donc ça faisait vraiment mal, quoi. Et petit à petit aussi, même on voyait au niveau du sol, ça n'évoluait non, ouais, pas tellement fois, vite. La paille, elle pouvait rester très longtemps. Et en même temps, je pense qu'on est tombé sur les vidéos de, je pense que c'était peut-être Benoît Noël à l'époque. Ouais, peut-être. Ou François Mulet, je ne sais plus, mais qui expliquait que la paille, elle allait humifier à hauteur de 10% par an aussi, je crois. Oui, en gros, pour une tonne de paille, alors que le bois, allait faire la moitié du mus en un an, quoi. Ouais. Donc, si on mettait bout à bout le côté foisonnant de la paille qui peut être gênant, ça nous coûtait même plus cher, en fait, la paille que le bois. Elle était à combien ? C'était 100 euros tonne, ouais, non, 120, je crois. On mettait de la bio, alors je pense qu'on n'aurait pas été obligé. À mon avis, la réglementation, comme c'est un paillage, elle aurait autorisé... Vous avez une idée des tonnages à l'année que vous mettiez ? Je ne sais plus, ouais. Non, je ne sais plus trop. Bah, on avait une cinquantaine de bottes, je pense qu'on avait 25 tonnes. Ouais. Sur 25 tonnes sur la parcelle, donc réparties sur l'ensemble du champ, je pense que ça devait faire l'équivalent de 300 tonnes hectares. Ou... Ouais. Je ne sais plus. On avait 25 tonnes de paille pour le maraîchage. Ok. Ouais. Donc il faudrait calculer 25 tonnes sur 5000 mètres carrés en gros. Puisque là pour le coup ça allait dans les allées, ça trissait partout quoi. Ouais, ouais. Et du coup finalement pas convaincu, vous êtes dit le bois. Ouais. Ouais. Le bois, la première fois qu'on l'a mis, au bout de quelques semaines, c'était dit que c'était bon quoi. Tout d'un coup on voyait tout de suite en quelques semaines des champignons, en quelques semaines déjà de l'humus même, enfin tu vois le sol en dessous était vachement... En fait avec la paille ça gardait l'humidité mais au bout d'un moment quand il fait vraiment sec ben t'as la paille et ouais. Puis t'as ton sol dur et sec en dessous. Avec le bois t'as pas ce phénomène là, t'as toujours les quelques centimètres de bois autour du bois, c'est toujours humide, c'est toujours vivant, c'est toujours frais. Donc ouais très rapidement avec le bois on s'est dit bon voilà. Et du coup, le broyat de bois, vous êtes convaincu. Aujourd'hui, vous avez trouvé votre fournisseur. Source. Vous avez quelle quantité ? Ça vous coûte combien ? Ça nous coûte précisément 500 euros pour 11 tonnes. C'est ça ou pas ? Je dis précisément, je me suis peut-être un peu avancé. Je crois, ouais, les camions, c'est 30... si c'est 11 tonnes, c'est 30 mètres cubes. C'est 30 mètres cubes et c'est à peu près 500 euros. Et les années précédentes, l'année dernière, je crois qu'on a fait rentrer au moins 7 ou 8 camions là-dedans. Et cette année, en fait, il y a les deux tas qui sont là-bas et c'est les deux tas du début de saison. On avait un peu de reliquats de l'année précédente. On a juste rajouté deux autres camions et ils sont encore là, en gros. Donc on en consomme beaucoup moins. Alors après, on va rentrer dans la période où, potentiellement, avant l'hiver, on en remet là où on voit qu'il n'y a plus vraiment de matière organique, on en remet avant l'hiver. Mais ouais, voilà, là, on va tourner. Maintenant, l'objectif, c'est de tourner à 2 ou 3 camions par an, quoi. Mais on réfléchit de moins en moins en tonnes hectares. Au début, c'était beaucoup ça. Combien de tonnes hectares on va mettre ? Et en fait, il y a quand même un truc qui nous échappe un peu. Où... Ouais. Comment tu fais pour... Par exemple, on te dit, ouais, c'est pas la peine de mettre plus de 100 tonnes hectares. Mais nous, si on met moins de 100 tonnes hectares de bois, ben, on n'a pas de litière. Si, 80, quand 80 on met 80, ça hectares, va encore. Ouais. Alors que dans les vidéos, on se rend compte que finalement, ils parlent de la ration du sol. Donc, ils parlaient plutôt de 20 tonnes. Puis ils sont montés à 25, 30 et des fois jusqu'à 40. Ouais, d'accord, mais à 40, il n'y a pas de litière. Enfin, ou une litière. Si ton sol est. Et si ton activité biologique est importante, à 40, très rapidement, tu n'as plus de litière. Ouais, c'est quoi. Toujours l'équilibre qu'il faut trouver entre la ration du sol et le paillage que tu veux garder pour occulter. Quoi. Bah, donc, nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met une dose qu'on pense suffisante pour tenir l'année. Comme c'est du bois, on part du principe que c'est assez stable et qu'il ne va pas y avoir de problème de lessivation, etc. Surtout sur des sols bien structurés et tout. Bon, ça va. Je sais pas, mais en tout cas, le bois, on se dit, voilà, c'est pas comme si on apportait un lisier ou là, voilà, avec un lisier. Du coup, votre réflexion, c'est plutôt à l'épaisseur. Ouais, litière. Ouais, toujours. Nous, on supporte plus maintenant de pas avoir de litière. Pour nous, on parle de litière à partir du moment où c'est on le tampon, sent que... si tu veux. Ouais, c'est le tampon. C'est une zone tampon entre si l'atmosphère c'est juste et le sol. Centimètre et qu'on sent qu'en dessous, ça s'est retassé quand il y a une grosse pluie, ben, c'est que ta litière, elle est pas bonne, quoi. Donc nous, c'est un amortisseur, ça amortit les rayons du soleil, ça amortit la pluie, ça amortit les excès de chaleur, enfin c'est un tampon quoi. En fait, la théorie, elle est plutôt sur du moyen, voire long terme, alors que nos expériences, elles étaient sur du court terme.
Donc en fait, on a très longtemps navigué à vue. On s'est dit, bon, ben, on essaye de faire ça et puis on verra. Mais quand est-ce qu'on verra? Dans un an, dans deux ans, dans trois ans? Et effectivement, avec la paille, ça réagissait assez lentement. Avec le bois, ça réagit beaucoup plus vite. Donc déjà, on était assez rassurés. Le compost aussi jouait ce rôle un peu de... Pas de starter, c'est pas un vrai starter, mais comme on savait pas combien de temps le bois allait mettre à restituer l'azote, à développer assez d'activité biologique pour que nos sols soient fertiles, ben, on se disait qu'avec le compost, voilà, au moins il y avait un petit truc pour compenser le temps ouais. que tout se mette en place. Quoi. Avec un sol moins riche au départ, ça, peut-être que tout aurait été plus compliqué quoi, aussi. Nous on a eu la chance. Mais par contre, ouais, nous, par contre, quand on fait une expérience, nous c'est surtout le champ. Hein. Ouais. Et après, on dit, mais quand on a refait les premières fois qu'on a fait les buts au motoculteur, on a terminé le champ au bout de trois semaines, on faisait que ça, on était cuit. Et à la dernière planche, on se dit, ah non, c'est pas ça, il aurait fallu faire autrement. Et on l'a refait. Ouais. Notamment, il y avait une année, bah, au début, bah, c'était la première. C'était ça. Non, c'était quand on a laissé les bandes enherbées. Ouais. On avait acheté les bâches d'occultation, ouais. Même format, 16x21. Sauf que dans l'idée, on s'était dit, bon. Très rapidement, notre souci principal, c'était la durabilité de l'exploitation, la durabilité de notre sol et la fertilité de notre sol. Et du coup, très rapidement, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on mette tout en œuvre pour que la belle fertilité qu'on a constatée au départ en commençant, il faut qu'on la maintienne et qu'on la grade même. Et du coup, dans cette idée, on s'était dit, bon, bah, quand on fait des occultations, on coupe une bâche d'occultation de 1 mètre de large, on la pose sur notre planche et puis l'allée, on la laisse s'enherber. Et on recoupe, donc on a coupé toutes nos bâches d'ensilage comme ça. Pour pouvoir faucher l'herbe et la remettre. Faucher l'herbe et la restituer directement. Sur le papier, c'est beau. Et en vrai, dans la pratique, c'était infernal. Quoi. Oui, on l'a fait une saison et c'était ingérable. Il y a un moment, ça repart trop vite. Comme on irrigue, en plus, il faut faucher toutes les deux semaines entre chaque but. Enfin, c'était... Ouais, ingérable. Et donc ça, ça aurait peut-être été bien sur un jardin, mais pas sur un champ, quoi. Donc là, aujourd'hui, vous les lâchez d'un tenant. Et pendant les cultures, vous faites quelque chose sur les passe-pieds? Non. Alors, si, parfois, un petit coup de débroussailleuse, oui, quoi, vrai, si ouais. on a le temps. Mais globalement, on laisse s'enherber. Quand on est enherbé en fin de cycle, ça ne nous gêne pas trop. Si le rendement est bien, bon, c'est un peu plus chiant pour recirculer. Surtout si notre planche est propre, s'il allait enherber, à la limite. Ouais. Ça, c'est Vincent, du coup, le vavasseur, engrais vert spontané. Quoi. Tant mieux. Ouais, tant mieux, ça nous fait du boulot en moins. Bon, il faut l'accepter, hein, c'est pas évident. Tu sais, on a toujours cette idée, et ça c'était très agricole, je pense aussi, mais de maîtrise de la nature. Voilà, je maîtrise rien du tout, quoi. Mais il faut accepter que finalement, voilà, c'est comme ça. Si ça envoie une plante, de toute façon, c'est mieux qu'une plante. Hein, de toute façon. Tant qu'elle est pas trop dans tes cultures, on va dire en tout cas. Mais ouais, petit à petit, on travaille un peu là-dessus. Juste pour revenir sur le traitement, ouais, parce que tu parlais des pommes, les gens qui connaissent pas, peut-être qu'ils comprennent pas, mais en bio, il peut y avoir des traitements. Par exemple, nous, sur les pommes, on fait zéro traitement. Le seul produit qu'on utilise, c'est un produit qui est utilisable en bio, c'est le Slux contre les limaces, là, c'est le Feramol. Et donc, c'est les mêmes billes bleues que l'anti-limace conventionnel, sauf que dans le conventionnel, il y a du métaldéhyde, et dans celui-là, il n'y en a pas, c'est du phosphate ferrique. Et donc nous, c'est le seul produit qu'on utilise qui est autorisé en bio. Et notre copain qui fait des pommes, ben, il fait des traitements, mais qui sont autorisés en bio. Donc c'est pas le même principe actif, etc. Quoi. Et ça, il faut le préciser parce que des fois, les gens, ils comprennent pas. Et je sais que d'ailleurs, notre collègue, il a déjà eu des gens qui disent « Ah, il a un pulvé ». Ben oui, mais ce qu'il a dans le pulvé, c'est un produit qui est autorisé en bio parce que c'est pas la même nocivité non plus qu'un produit en conventionnel. Quoi. Donc voilà, il faut le préciser. Ouais, bah du coup, c'est peut-être l'occasion de dire qu'en fait, nous, on a fait le choix, à part le Slux, parce que là, pour le coup, on n'avait pas vraiment le choix. Hein, si on voulait s'en sortir, au début, on venait à couper les limaces et tout ça. Impossible, ingérable. Et puis surtout, les premières années, parce que je pense qu'avec les apports de matière, notamment de carbone, on crée un gros déséquilibre. Et le premier à répondre, c'est la limace. Quoi. Donc, les premières années, on avait des limaces sur chaque brin d'herbe, on avait des limaces dans les arbres. À ce moment-là, pas le choix, il fallait du Slux. Et en fait, maintenant, je pense que le déséquilibre est passé. C'est-à-dire il a dû y avoir un changement écosystémique là, dans la faune. Et en fait, maintenant, on en utilise de moins en moins. On n'en utilise vraiment pas beaucoup. En fait, on en met un peu au semis ou à la plantation, et puis une fois ou deux, et puis c'est réglé. Quoi. Donc, je pense qu'on a... Mais oui, le choix de n'utiliser que ça, c'est parce qu'on est dans une logique de recherche de biodiversité, quoi. Pour éviter les maladies... Enfin, vous connaissez l'histoire, je ne sais pas si je vous parler de ça, mais... Éviter que les maladies se propagent trop vite, la meilleure façon d'éviter ça, c'est d'avoir beaucoup de biodiversité pour qu'elles se régulent entre elles, quoi. Donc, voilà, c'est interdit. Sur notre modèle, ça nous semble interdit. Sinon, il y a un problème, quoi.
Vous parlez de produire la majorité de vos plants. Vous savez à peu près quelle surface ça vous prend sous la pépi? Oui, ah, bon, on a 4 tables de 8 mètres carrés. Ouais. De 16 mètres carrés. On a 4 tables de 16 mètres carrés. Et grosso modo, il y a un moment où, au printemps où elles vont être pleines à craquer. Mais ça suffit parce que quand c'est plein à craquer, très rapidement, il y a un truc à enlever, tu en mets un autre. Oui, et puis s'il faut, on trouve des planches de libre dans les serres d'à côté et puis on remet les plaques au sol sur les buttes de culture qui ne sont pas encore occupées. Oui, parce qu'en fait, elle va être très remplie en mars-avril, la serre à semis. Et nos serres, il y a des serres qui sont déjà remplies en mars-avril, mais pas toutes. Donc, par exemple, les serres de tomates, ou encore que maintenant on fait des associations un peu, mais on trouve toujours une ou deux planches qu'on va cultiver un peu tardivement, sur laquelle on peut poser le surplus de plaques. En plus, c'est mieux comme ça, elles sont au sol. La plaque, elle préfère être au sol que sur une table, parce que s'il faut, le plant va faire des racines en dessous, il va pouvoir se fortifier plus, il aura la fraîcheur du sol, etc. Donc. Tu disais, vous chauffez pas les serres. Est-ce que vous êtes sur des tables chauffantes? Non. On a longtemps hésité, mais ça nous coûtait cher de nouveau de ramener l'électricité de là-bas jusqu'à la serre, plus encore le prix des nappes chauffantes. Et finalement, ça ne répondait pas vraiment à ce qu'on voulait faire, parce qu'on tient vraiment à avoir une saison assez courte. En fait, on ne va pas chercher à être trop contre nature. Si chez nous, ça ne marche pas en avril, on ne va pas vendre en avril, on cultive en mai. Vous voilez, et puis surtout, on a quand même un petit compartiment. Alors là, pour le coup, c'est chauffé. On a une des 4 tables, donc c'est 16 mètres carrés. C'est la table où on fait les tomates, poivrons, aubergines, et les courgettes, etc. Tous les trucs sensibles. Là, on a mis une grille de fer à béton avec de la bâche à bulles par-dessus et puis un petit convecteur à gaz. Waouh, jolie serre en mois de septembre, trop bien. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos itinéraires? Est-ce que vous avez quelque chose de très fixe que vous prenez tous les ans? Ça dépend de chaque lieu. Ouais. Comment vous fonctionnez? Bah, c'est assez simple chez nous, les itinéraires techniques. En gros, il y a deux modalités. Soit c'est une plantation, soit c'est un semis direct. Ben, moi, je vais parler de la plantation et puis tu feras le semis direct. La plantation, c'est vraiment en deux mots... On fait une occultation. En fait, parce qu'il faut commencer à la fin de l'année précédente. Ouais. Donc généralement, on met des engrais verts sur les trois quarts du champ. Sur ce qu'on peut. Ouais, on met les engrais verts partout où on peut. Intérieur et extérieur. Ouais. En septembre. Et à partir de septembre, quoi. Ouais. Et en gros, si c'est une plantation, généralement, on se contente au plus court d'un mois et au plus long de deux mois d'occultation. Donc, deux mois avant la plantation de la culture, on va mettre la bâche par-dessus les engrais verts, bâche d'ensilage, ouais, parce que ça va plus vite, par-dessus les engrais verts qu'on va laisser se ratatiner. Et puis, généralement, au bout d'un ou deux mois, c'est sûr que c'est propre. Et au bout d'un mois, tu as encore des résidus, etc. Tu vois qu'ils sont encore là, mais ils sont morts, quoi. Et donc, à ce moment-là, on regarde notre litière. Soit on estime qu'il reste beaucoup de litière, donc beaucoup de broyat de l'année dernière, et à ce compte-là, on met une toile tissée et on plante directement à travers les résidus d'engrais vert. Soit on estime qu'il n'en reste pas assez, et donc là, on vient, et pour une plantation, on apporte pas de compost. On va dire à partir de septembre, quoi. Ouais. Et donc là, on apporte le bois en fonction de ce qui reste, on va ajuster, ça peut être 20, ça peut être 30 tonnes hectare, et ça peut aller jusqu'à 70, quoi. 80, ouais, pour faire vraiment une bonne épaisseur. Parce que pour être sûr qu'il y en ait assez toute l'année, pour gérer la flotte. Gérer la flotte, qu'il y ait tout le temps de la vie, tout le temps à manger pour les vers de terre, etc. Vous ajoutez une bâche par-dessus niveau occultation? Et on met toujours, après avoir mis du broyat, on remet toujours une toile tissée. Pour toutes nos plantations, sauf le poireau, c'est un peu un itinéraire bâtard entre les deux. Mais autrement, on remet toujours une toile tissée, on plante à travers. Et fin de l'histoire, pour tout ce qui est plantation, c'est comme ça. Ouais. Et pour les semis directs, ça ressemble beaucoup, donc c'est pareil. Quand on enlève la dernière culture de l'année précédente, si on est avant le mois de novembre, on estime que ça vaut encore le coup de semer un engrais vert à la volée. Donc engrais vert, on balance l'engrais vert à la volée. Dans le bois, si c'était du bois, dans le compost, si c'était du compost, à cette période-là, ça n'a plus de problème. De toute façon, à la moindre rosée, ça suffit pour les engrais verts. Après, la différence, c'est qu'on va faire une occultation un petit peu plus longue avant le semi-direct. L'occultation est un peu plus longue, ça veut dire minimum 2 mois. Par exemple, pour les premières carottes qu'on va mettre vers le 20 avril, on va occulter à partir de février.
début février. Si on a mis l'engrais vert assez tôt la saison précédente, en septembre par exemple de la saison précédente, bah, il va être comme ça, il y aura un beau tapis bien dense parce qu'on envoie vraiment une grosse dose de graines. Et il va être pas trop haut et encore bien vert en février, donc bien 2 mois. Et là c'est pareil, ça suffit. Ça se détruit très vite, les engrais verts, beaucoup plus vite que si tu as une prairie. Tant qu'ils sont verts, Après, s'ils commencent à devenir ligneux, la destruction est beaucoup plus compliquée. Mais s'ils sont encore proches du sol et très verts, ça va se détruire très vite. Quoi. Vous voyez où vous roulez avant? Non, même pas. Non, on met la bâche telle quelle. Et... Il se dessèche et ça va très vite. Ouais. C'est quoi vos engrais verts? C'est du truc, en fait, oui. Alors ce qui sème le plus tard, donc c'est en général blé, orge, triticale. Ouais, c'est des céréales. On mettait de temps en temps, mais on va arrêter une légumineuse. En fait, je pense qu'avec les apports qu'on fait, et puis maintenant que notre système est en route au niveau activité biologique, je pense que ce n'est pas forcément ni judicieux ni nécessaire de chercher à rajouter une légumineuse dans l'engrais vert. Donc, des fois, ça va être juste du triticale, quoi. Soit en pur, soit en mélange des céréales. Non, en fait, quand on fait des mélanges, c'est qu'on va mettre une céréale avec une légumineuse. Mais maintenant, plus le temps va aller, et plus ça va être juste un triticale, juste un blé. Les légumineuses, c'est aussi beaucoup plus cher. Et nous, avec le compost et le broyage, je pense qu'il y a ce qu'il faut dans le sol. Donc, ouais. Pas besoin de courir après l'azote. Et donc après, quand c'est un semi-direct, une fois qu'on a fait une bonne occultation, donc je reprécise minimum 2 mois, et apport de compost. Donc on va mettre quoi, 4-5 cm, ouais. Ça va faire, j'avais dit, c'est un mètre cube pour deux planches ou quelque chose comme ça. Un mètre cube pour deux planches. Et puis, donc on l'étale au râteau. On vient le rouler une première fois avec un rouleau à gazon. Après, on passe avec un râteau sur lequel on a rajouté des petites durites là, pour prolonger les dents qu'on veut marquer, pour marquer le sol, pour qu'on respecte bien nos écarts. Et puis après, on sème, on reroule. Et sur les semi-directs, on a une petite spécificité dont on est très content. C'est que comme on a un compost, on sème sur compost et que potentiellement le compost, ça peut être séchant. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on sème, on reroule, on trempe bien notre sol. Ça peut tourner des fois 2 heures. On fait vraiment le plein et on remet une bâche d'ensilage par-dessus. Et après, on compte en degrés jour sur la carotte. C'est 130 degrés jour pour que ça lève. On compte en fonction des températures du jour et de la nuit. On estime qu'en 10 jours, ça devrait à peu près lever en 10 jours. Et au bout de 8 jours, on enlève la bâche d'ensilage. Et donc, en fait, ça fait qu'on arrive à faire ça nous est arrivé de faire lever des carottes avec un seul arrosage, par exemple. Et ça lève de façon hyper homogène. Ça lève super bien. Parce que ça va chauffer, ça va même continuer l'occultation. Des fois, en plus de la bâche d'ensilage qu'on remet dessus, on met aussi directement après le semi, on remet de la paillette de lin, toute fine. Et ça aide aussi si jamais on ne prend pas de risque, on débâche, 5 jours trop tôt. Et la paillette de lin, elle va quand même réussir encore à garder l'eau 5 jours et les carottes arriveront à passer à travers. Ça, vous faites à la main, la paillette? Ouais, ça se fait très bien. On fait un andin, on le balaye comme ça. Ouais, c'est vraiment un voile. Selon les graines, si c'était pour des haricots par exemple, ça va, ils vont réussir à sortir, mais pour des carottes, il ne faut pas qu'on en mette trop. Mais on est content parce que ça nous permet de limiter nos arrosages. Parce que ça peut être problématique, comme tu es sur du compost, ça va être séchant, et comme les carottes, il faut que ça soit toujours humide, tu vas arroser très régulièrement, mais une fois que la carotte elle est dehors, ton sol il est gorgé, ta carotte elle est fourchue à tous les coups. Là, ça nous permet d'éviter ces problèmes-là. Quoi. On arrive à faire lever des carottes avec peu d'arrosage et sans gorger trop notre sol. Quoi. Vous n'avez jamais eu de problème de levée de dormance d'adventice sur les composts? Sur le compost, non. Là, typiquement, par exemple, on n'avait pas remis de compost parce que justement, c'était un semis de carottes. La culture d'avant, c'était une carotte. Donc, on ne veut pas remettre du compost. Donc là, il restait assez. Donc, on n'en a pas remis et c'est pour ça que ça s'enherbe. Et donc, on s'est dit, on ne fait que 3 rangs d'épinards et comme ça, on pourra passer à la sarcleuse et il y aura un petit quelque chose sur le rang. Mais autrement, si on vient de mettre le compost, sauf catastrophe, c'est déjà arrivé quand il avait passé tout l'hiver dehors. Je pense que les oiseaux, ils ramènent des graines dedans. Là, sur les premiers semis, il peut y avoir des fois des levées, mais ça se désherbe bien aussi sur le compost. Bon, on a des collègues qui ont essayé, qui étaient beaucoup moins satisfaits que nous. Nous, on n'a jamais eu de gros problèmes. En général, nos carottes, on va peut-être les désherber une fois ou deux fois, mais c'est pas les mêmes désherbages que quand t'es à quatre pattes et que tu cherches les carottes. Quoi. C'est des désherbages où ça va quand même plus assez en fin vite. De culture, quoi. T'enlèves les gros trucs qui ont réussi à passer. Ouais, ou quand même, quand les carottes lèvent, des fois, il faut quand même faire un petit nettoyage à ce moment-là. Mais après, les carottes, je pense que du coup, notre sol est bon. Et puis avec le compost, la carotte, elle va pousser assez vite. Et du coup, très rapidement, elle est plus concurrencée, quoi, en tout cas, dans une moindre mesure. Quoi. Vous avez une idée des rendements en carottes un peu?
Ouais, bah là, on a fait 5 kilos, on n'est pas content, par exemple. Ouais. 5 kilos au mètre carré. Mais alors... c'est vraiment sur la butte, hein, quand il dit au mètre carré, c'est que sur la butte, c'est pas... ça compte pas les ouais, allées. Ouais, je pense en général, on est plutôt à 7. Des ça fois, peut aller à 10, ouais, on a déjà dépassé, on a déjà dépassé 10. Dans tous les cas, même à 5, je dis qu'on n'est pas content parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'être un peu plus, mais finalement, nous, sur nos besoins à nous, à 5 kilos au mètre carré, à quasiment 3 euros le kilo... sur de la carotte, on est content. Oui, ça fait 15 euros à l'extérieur. Ça 15 euros à l'extérieur, on rentre parfaitement dans nos... Vous avez un objectif rentabilité un petit peu? Ouais, mais on a dû en changer. Ouais, on avait un objectif. Au début, on visait 10 dehors. Par inexpérience, hein, c'est parce qu'on entendait souvent ça, que dehors, tu peux viser 10, que dedans, tu peux viser 20. Mais nous, on parle que de la planche aussi. Quand on disait 10, c'est peut-être qu'il tenait compte des allées, etc. Et on disait 10 dehors et 20 dedans, mais finalement, c'est pas juste, quoi. On est largement au-dessus. Et il faut qu'on soit au-dessus d'ailleurs, parce que comme on a quand même pas mal de charges, il faut qu'on soit au-dessus. Donc 20 dedans, ouais, je sais pas trop. Dehors, je pense qu'il faut que dedans, on a beaucoup de haricots, ça va, beaucoup de haricots tomates, ça va vite. Dehors, on vise plutôt 15 maintenant. Ouais. Dehors, on enchaîne assez peu les cultures. Ouais. Parce que nous si on fait un engrais vert et une culture de rente, on est content, quoi. Parce qu'on a la chance d'avoir de la surface. On a cette surface pour ne pas avoir besoin d'enchaîner trois cultures sur la même planche. Quoi. Et là, du coup, épinards, haricots, tout ça, vous marchez en série, j'imagine? Oui, on échelonne. Vous êtes sur la 9e série, comment est-ce que vous échelonnez un peu tout ça? Épinards, haricots, on sait qu'on doit faire à peu près, on fait 10 séries, je crois. Ouais, non, on a 9 planches, 9 parce que je n'ai pas réussi à caser la 10e dans la planif. Donc cette année, on avait 9 planches, voire peut-être même 8, je ne sais plus trop. Et en gros, selon l'espace de disponible dans les serres, je vais semer maximum 2 rangs. On va semer maximum 2 rangs à la fois. Donc par exemple, si on en a 8, ça va faire 4 séries qui sont échelonnées de 3-4 semaines entre elles. Parce qu'on sait que c'est ce qu'on arrive à vendre. Quoi. Ouais. Et c'est comme ça un peu sur tout. En fait, chaque saison nous aide à la planif de la saison précédente parce qu'on voit bien si nos séries ont été assez échelonnées ou pas. Est-ce qu'on a trop de betteraves prêtes d'un coup, auquel cas il faut les échelonner un peu plus. Oui, ça change. Donc tous les ans. Donc on ajuste tous les ans à ce niveau-là. Tu mets quoi? Tu mets une semaine entre chaque série? Non, trois, au moins 3 ou 4. 3 ou 4 semaines. Ouais. Parce que en fait c'est la durée. Je pense que je sais pas trop, mais je pense qu'un rang de, j'ai jamais trop mesuré, mais je pense qu'un rang de haricots comme quand il est comme ça, il va donner pendant un mois à peu près. C'est pour ça qu'on échelonne à peu près d'un mois, quoi, entre les séries. On fait quand même en sorte, plutôt qu'ils se croisent, plutôt que de ne pas en avoir du tout, quoi. Parce que c'est un produit d'appel, les gens sont super contents, ils sont super bons, les haricots. Oui, ça dépend. Par exemple, sur les betteraves, si à un moment on a un creux dans les betteraves, bon, c'est pas grave, les gens nous en veulent un peu moins que si on a un creux sur les haricots, par exemple. Je reviens du coup juste sur les engrais verts. Tu m'as dit de la céréale. Oui. En dose. Une bonne double dose. Ouais, donc quasiment 500 kilos hectares. Ok, vous arrosez? Oui, on fait quand même attention s'il y a des grosses rosées et qu'il y a de la pluie dehors. Un arrosage peut suffire, mais on le fait quand même. On fait quand même au moins une fois un bon arrosage. Ok, vous passez un coup de rouleau? Non, ça on le fait plus, on l'a beaucoup fait, mais en fait, sur les engrais verts, sur de la grosse graine assez rustique. Et surtout bien chargé. C'est bien pas dosé. Une carotte, quoi, donc c'est pas nécessaire, j'ai l'impression. Okay. On va au plus simple, quoi. Ouais, l'objectif, c'est d'essayer de se soulager un peu en fin de saison quand on commence à être un peu fatigué. Essayer d'aller au plus simple, et c'est vrai que sur les engrais verts, on a l'impression que ça suffit, quoi. Vous vous fournissez où? Chez un collègue paysan bio à 2 minutes d'ici. Donc pas trop cher? Non, c'est en fait, ils nous les vendent au prix du marché, mais c'est quoi? C'est 500 euros tonnes, je crois, le triticale. Nous, pour faire tout le champ, je ne vais pas me lancer dans des grands calculs maintenant parce que ce n'est pas mon fort, mais avec 100 kilos, 200 kilos peut-être, je pense qu'on est bien, quoi. On n'arrive pas forcément à faire toutes les planches. Hein, les planches de poireaux, de céleri, elles vont être libérées trop tard. Donc voilà, donc je pense avec 100 ou 200 kilos, on est bien. Alors à 500 euros tonnes, ce n'est pas ça qui va nous plomber l'année, quoi. Et le plus court que vous ayez en occupation de planche par un couvert, du coup, ça va être? De toute façon, on s'arrête de semer. Bon, pour les serres, on peut semer encore en novembre. Ouais, mais pour le plein champ, on s'arrête fin octobre. Ouais. Après, on estime que ça. Et vaut la première plus. Culture de plein champ, ça va être quoi? C'est les panais, peut-être? Ou non, les premières carottes. Ouais, on va dire au 10 avril. Ouais. L'engrais vert, il sera là. Au plus court, il sera de toute façon là sur ce laps de temps, quoi. Et pour les tunnels, on va semer jusque fin novembre. Et le plus court, ce serait les carottes, fin janvier.
Mais c'est vraiment le plus court. Après, les autres, il y a tout de suite beaucoup de semaines en plus. Il n'y a que les carottes qu'on démarre. Oui, ça, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quand même la planif. Dans la serre où on va faire les carottes, par exemple, on ne va pas forcément le faire. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour éviter que le sol soit nu, c'est laisser la culture précédente longtemps. Elle occupe le terrain, il y a les racines et tout. Et la laisser longtemps et l'enlever, par exemple. Le risque, ce serait d'avoir un couvert qui arrive de manière trop ligneuse ou alors qui monte à graines. Bah non, ce serait surtout que ce ne soit pas justifié parce que ça va être trop court. Si on sème, tu vois, on va libérer nos serres courant novembre. Si on sème fin janvier, en serre, ça pourrait valoir le coup, mais voilà. Mais effectivement, c'est quand même bien de le dire, on veut pas non plus. Nous, on cherche pas la biomasse parce que la biomasse, on l'apporte avec le broyat de bois ou avec le compost ou avec tous les résidus de culture, les herbes, on laisse tout sur les planches. Mais par contre, on veut pas non plus avoir des engrais verts trop ligneux qui sont vraiment en fin de cycle parce que tu passes des plombes à les détruire. Et des fois, c'est un peu délicat d'implanter une culture dedans. Ouais, de nous, on aime qu'ils soient verts. Quand ils sont verts, ils se détruisent très bien. S'ils sont verts comme ça, c'est mieux que si c'est comme ça. Mais on veut les détruire quand ils sont verts. Quoi. Ok. Encore une belle serre. Merci. On est sur les premières ou deuxièmes séries, là ? Il y a eu des associations avec poivrons, aubergines. Il y avait des patates primeurs tout au bout. Il y avait des patates primeurs au bout. Et maintenant, derrière les patates primeurs, il y a une mâche qui est en train de lever tout juste. Et sinon, ouais, là, il y avait des navets en association, il y avait des fenouils, il y avait peut-être un peu de betteraves aussi. Oui. Il y avait beaucoup d'oignons blancs. Il y avait beaucoup d'oignons blancs qui ont très bien marché. Donc, en fait, c'est des plants qui avaient été mis en mars, je pense, hein, grosso modo, je ne me souviens plus trop. Mais je pense que c'est premier semis tout de suite début février, planté début mars, courant mars. Et en fait, on les avait tout de suite plantés en laissant la place pour le poivron, l'aubergine qui allait venir. Et donc, par exemple, le fenouil, vous étiez sur quelle densité? Et quand est-ce que vous avez mis le... C'est 30 sur le rang du milieu. Non, sur le rang du milieu, c'était 60 même. Le rang du milieu, ouais. Je parlais des rangs de côté. Ouais. C'est 30 sur les côtés, 60 au milieu. Donc 30 les fenouilles, 60 les poivrons. Ouais. Et en fait, il y avait du coup un fenouil. Sur le rang du milieu, il y avait un fenouil tous les 60. D'accord. Avec un trou de livre à côté. Et ils se sont croisés, Ils se sont croisés, ouais. Et poivrons, donc, vous avez ramené quand les poivrons? Eh ben, nous, mai, je pense. Oh ouais. Oui. Ils sont partis. Ils sont partis petit à petit, ça allait. Ouais. Mais les poivrons, au départ, ils étaient contents parce qu'il avait fait très chaud, je me rappelle. Ouais. Et du coup, ils étaient un peu à l'ombre des fenouilles. Ouais. Et c'était vrai. Vous n'avez pas flippé, vous, de mettre un petit poivron au milieu des fenouilles? Mais pendant quelques semaines, c'est bien. Oui. Ouais. Au tout début, ça leur fait du bien. Après, quand ils sont implantés, qu'ils commencent à bouffer, là, c'est risqué. Il fallait quelques séries où, à un moment, il fallait dégager les betteraves. Mais les betteraves, c'est pas grave, tu dégages tout d'un coup. Et à cette période, on les vend bien, les betteraves en plus, parce qu'il n'y a pas encore grand-chose d'autre. Ouais. Donc on dégage tout d'un coup pour faire de la place. Et comme ça, le poivron s'implante correctement. Et en fait, les betteraves, elles se gardent. Alors nous, on n'aime pas ça. On préfère les vendre en bottes, fraîches et tout. Mais si, à un moment, pour favoriser la culture suivante, il faut les dégager. On les dégage, on enlève les fans et puis on les conserve. Quoi. Donc pareil, les betteraves, elles partent fin mai. Et à ce moment-là, vous avez déjà mis les poivrons. Ouais. Ouais. Ils sont déjà bien implantés, ils ont déjà des racines. Ils étaient contents d'être à l'ombre des betteraves. Ça, tu peux le faire avec les oignons. C'est moins risqué pour le coup. Même si tu les laisses, il n'y a pas de feuilles, tu vois. Ça... Betteraves, fenouilles. Oignons, laitues. Laitues. On l'a fait avec quoi encore ? Est-ce qu'il y en a certaines que vous allez favoriser plutôt avec les aubergines, plutôt avec les... Oui, les betteraves par exemple, je crois qu'on les a pas mis avec les aubergines, je crois qu'elles s'aiment pas. Trop. Avec les tomates, on avait quoi ? On avait des laitues. Beaucoup d'oignons. Ouais. Oignons. Oui. Et il y avait sûrement d'autres les choses. Patates là-bas, du coup, vous les faites sous paille ? Sous broyat. Ouais. Posées au sol ? Non, quand même, on va quand même essayer de l'enterrer un peu dans le sol et on va remettre une première couche de bois correcte. Et puis quand elle sort bien, qu'elle a vraiment bien pris le dessus, on remet encore une fois du bois. Au sol du coup ? Ouais. C'est un peu chiant. Oui, moi je trouve ça un peu laborieux, mais ça se fait assez vite. Ça vaut quand même le coup la patate primeur quand ça marche. En fait, on est quand même plutôt content de l'avoir fait comme ça parce que quand on faisait sous toile tissée, on a l'impression que notre plan était beaucoup plus contraint. Il y a beaucoup plus de dégâts de mulot. Et ça poussait moins bien. Ça a beaucoup mieux poussé sans la toile tissée, avec beaucoup de bois. Donc là, vous mettez un coup de plantoir, vous mettez la patate. On remet du bois par-dessus, mais on peut, sur de la patate, ça va. On peut mettre un petit 5 cm, on va dire. Et vous revenez remettre 5 cm après, là-dessus ? Non, après, on va mettre plutôt plus, mais vraiment en dôme autour de la patate. Okay. C'est pas étalé, on va vraiment essayer de faire un dôme autour de la patate pour éviter qu'elle verdisse. Donc là, ça peut être
beaucoup plus que 5 cm autour du plan, mais par contre, entre les deux plans, il n'y a quasiment rien. Quoi, on fait. Parce qu'en densité, vous êtes sur combien? Enfin, on était à un plan tous les 30, mais on avait fait un mono-rang, je crois. Ouais, on avait fait et c'était pas mal, finalement. Dans les serres, on avait des fois tendance à mettre trop de rangs, alors que nos planches de serre ne sont pas larges. Et dans l'idée, elles faisaient 75, en pratique, elles ne font pas 75. Maintenant, on a tendance à se dire que vaut mieux espacer plus. En fait, comme on a l'impression que le sol est fertile, on se dit bon, ben, on espace plus pour que tout le monde soit à l'aise, ventilé, etc. Et si effectivement le sol est bon, ben, c'est compensé parce qu'un plant de patates qui marche très bien et il peut te produire beaucoup, tu vois. Donc on préfère privilégier maintenant des espacements un peu plus larges. T'as une idée de tes rendements au mètre carré Sur les patates, on était à 5. Sur la primeur, on était peut-être à 5. Alors, on a fait. Mais c'est hétérogène, par contre. Ouais, c'est très hétérogène. Sur la planche là, on était un bon 5. Sur l'autre, on était peut-être un petit 3. Donc, mais on sait, la serre là-bas est un peu plus hydromorphe et tout. Voilà. Mais en tout cas, en plus, on les vend comme des primeurs, donc un peu plus cher. Je crois qu'on, enfin, carrément plus cher, même. On était à 4 euros, ce qu'on n'aurait pas osé faire il y a quelques temps. Mais finalement, la patate primeur à 4 euros, les gens sont très contents. Et tu vois, tu fais 5 x 4, tu es déjà à 20 balles sur la première culture. En juin, c'est déjà fini, tu as déjà fait 20 balles. Quoi. Et là, du coup, vous aviez une sacrée épaisseur de broyat, du coup, après les patates. Et quelle culture vous avez mis derrière? Et ben après, on a laissé tranquille, ouais. On a étalé le bois, on a remis une occultation. Et une fois qu'il est. C'est vrai qu'on aurait pu mettre un engrais vert, mais des fois. Ouais. Non, le melon, ça ne serait pas passé avant la mâche. Mais on aurait peut-être pu caser un engrais vert, mais là, c'est toujours pareil. Quand la mâche va arriver? Elle lève. Elle lève tout juste. Okay. Ouais. D'accord. Aubergines et poivrons, vous êtes sur. Alors, vu la taille des aubergines, du F1 Non, là, c'est Barbantane. Ouais. Bon, c'est la première fois qu'elles nous réussissent comme ça. Ouais. Et c'est la première fois qu'on met une ombrière aussi. Et vous sentez la différence entre les aubergines sans ombrière et les aubergines avec ombrière? Alors en fait, celles-là, elles sont sans ombrière maintenant, mais elles en profitent beaucoup le matin, par exemple. Enfin, jusqu'à selon la saison, jusqu'à 13-14 heures. Donc elles en profitent aussi. Et on avait chaulé de toute manière. Et on avait chaulé, ouais. En fait, si c'était à refaire, on chaulera plus parce que ça s'est pas passé comme on voulait. En fait, on aurait voulu chauler le dessus. Mais avec notre machine, ça marchait pas trop bien. Donc on avait surtout chaulé les côtés. Et après on s'est dit, mince, mais c'est pas les côtés qu'on veut chauler, c'est le dessus, c'est quand il fait vraiment chaud. Donc c'est là qu'on a mis les ombrières. Ce qui fait que finalement, cette serre, elle était beaucoup à l'ombre, puisque ça avait été chaulé sur les côtés, et qu'on a quand même fini par mettre les ombrières. Et beaucoup à l'ombre, bah, c'est beaucoup mieux. C'était flagrant sur la santé des feuilles. Bon, on a changé d'autres choses. Hein. On arrosait beaucoup en goutte à goutte, et maintenant on est revenu à de l'aspersion. Et je pense que oui, mais visiblement était dans la bonne direction. Il y a déjà direction. Des années où on a fait de l'aspersion, mais pas ombré. Au tout début, on faisait que de l'aspersion, et c'était pas comme ça non plus, quoi. Ouais. Alors après, qu'est-ce qui fait que ça peut être bon, c'était une année comme aussi, ça aussi, je pensais. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que les aubergines étaient belles, mais ouais, nous on est très contents. Ouais. Elles ont bon, là, je sais pas, on se rend peut-être pas compte. Elles commencent à être un peu fatiguées, mais ouais, elles ont produit à fond, quoi. Et des belles aubergines. Vous voulez tailler, des fourmenées sur fil? Ouais. Alors on a été obligés parce que là, comme c'était trop grand. On fait un peu comme ça va. On les taille un peu au début, on essaie de partir dans les serres sur 3 têtes, je crois. Ouais. Et après, mais on les taille une fois en gros, et après on. Je crois qu'on les passé deux fois. Ouais, peut-être deux fois, et après on les fait tenir comme ça va, mais. Peut-être pas exactement comme ça qu'on fait, mais globalement on était contents. Ok. Et poivrons, je vois deux systèmes de palissage différents. En fait, on a été obligé de. D'abord, on était parti là-dessus. Et en fait, ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais ils sont. Ouais, ils bah sont là, blindés. Là, c'est des cils. Ils sont blindés. Ils sont tous comme ça, et ils sont super lourds, là. Ouais, c'est super lourd, super dense. Donc en fait, au bout d'un moment, le fil, là, il suffisait plus. Il y a toutes les branches qui cassaient. Donc on a fait un autre bidouillage avec le ficelle, mais finalement, ça a fait le boulot. Et à terme, tu garderais que des fers à béton sur les bouts et bien de temps en temps ramener les ficelles au centre. Ouais. Ça suffit? Ouais, peut-être. Je crois qu'il y en a beaucoup qui font ça avec des fers à béton, des grilles. Là. Ce qui est sûr, c'est que vu le rendement qu'il y a sur les poivrons, s'il faut mettre les deux, il faut mettre les deux. Parce qu'il y a quand même quelques kilos dessus. Hein. Bah, cette année aussi, c'est la première fois qu'ils marchent aussi bien. On a souvent eu des beaux poivrons, mais pas comme ça. Ouais. C'est déjà estimé un peu le rendement en mètre carré ou... Pas du tout sur ce genre de culture. On verra à la fin de l'année parce qu'en fait, après chaque vente, on a un ticket qui nous dit combien de kilos de vendus.
Et sur les poivrons, ça s'est vite vu parce qu'il y a les. Que ceux-là et dehors. Il y a les trois rangs là et puis il y avait trois rangs dehors aussi. Une deuxième série en extérieur. Ouais. En fait, la deuxième série, elle avait surtout pour objectif de nous permettre de laisser rougir ceux qui sont sous serre. Parce qu'on les vend beaucoup mieux. Déjà, ils sont plus lourds, plus gros c'est et meilleur. Plus denses. Ils sont meilleurs. Il y a beaucoup de gens qui les digèrent mieux et tout ça. Et du coup, on en vend beaucoup plus quand ils sont rouges, mais on n'y arrivait jamais. Et en fait, la série là-bas nous a permis de récolter beaucoup là-bas en attendant que cela rougisse. Et maintenant, ceux-là, ils sont rouges. On sort des caisses de poivrons rouges à chaque vente. Donc, l'objectif est atteint et c'est bien, quoi. T'as des trucs le coût des ombrières? Rien. Je sais plus. Ah non, peut-être pas tout. Non, non, c'est pas rien. C'est pas rien, mais bon, tu vois que ça s'abîme pas d'une saison. Bon, c'est la première saison, mais ils ont pas pris de... Ça bouge pas, ah, donc je pense qu'on va c'est mis en 15 minutes. Il y a juste les petits clips, là, sur les supports de culture, aux extrémités. Je crois qu'on en avait pour 400 €. Et on a mis... Deux bandes comme ça dans la... Dans la 6, 5, 4. Dans la 3, il y en a 0. Ah oui, 0. Il y en a un petit peu dans la serre à semis et encore une bande dans la première. Donc, je pense, si on avait voulu... Je pense que ça aurait été peut-être... À un moment, on s'était posé la question de rajouter, là. Quand il fait vraiment chaud, je pense qu'il faudrait rajouter la troisième rangée. Ouais. Et en gros, pour 800 euros, on aurait fait les serres en totalité. Et puis, comment t'es parti pour plusieurs années. Mais donc là, vous avez une serre de tomates, vous faites combien en surface de tomates? Il y a juste une serre? Non, il y a... On va compter en mètres linéaires. Donc ici, il y a 7 x 30, 210. Et 4 x 30 là-bas, 120, 330. À peu près. 330 mètres linéaires. Et en fait, on les cultive toujours en monorang. Donc, il y a un plant tous les 50 sur le rang. Okay. Voilà. Décaler des séries la série du milieu, non, par exemple. Non, et l'autre serre, elle est décalée. Ouais, mais celle-là, dans cette serre, il n'y a que celle-là, je crois, qui est décalée. Celle-là est décalée. Les autres, elles étaient toutes en même temps. Et les quatre planches de là-bas, elles sont décalées aussi par rapport à la première série. Et on avait aussi, c'est la première année qu'on essaye ça, on avait aussi trois planches de plein champ, donc 60 mètres linéaires de plein champ, pareil à 50. Quand est-ce qu'on commençait à donner? Qu'on a mis après les gelées. Sans prise de risque, mi-mai je pense. Ouais, mi-mai. Et puis elles ont donné très tôt, à un moment on s'est demandé si elles n'allaient pas donner avant nos tomates de serre. Alors en fait pas, mais elles ont vraiment donné tôt, donc je pense mi-juillet. Et on a récolté 500 kilos. Enfin tôt, on s'entend, hein. Nous on n'est pas des spécialistes de la précocité, mais pour nous c'est tôt, quoi. Mi-juillet, ouais, elles ont dû commencer. Et ouais, on a dû faire 500 kilos sur les trois. C'était blindé. C'est des variétés. Ça, c'est notre technicien qui nous a conseillé ça. Enfin, technicien commercial, du coup. C'est celui qui nous les a vendus aussi. C'est ProSem. Jean-Baptiste, si tu nous entends. Non, il nous a vendu les graines. Donc, on a fait les plants nous-mêmes. Et il nous a vendu des graines. C'est des variétés qui sont qu'on ne taille pas, qu'on ne tutère pas. Tu c'est la plantes, buissonnant, quoi. C'est buissonnant. Elle va partir dans tous les sens. Ça fait des gourmandes partout. Et en fait, du coup, elle se tient plus ou moins, et il y a des tomates de... Enfin, là, il y avait des tomates de partout, quoi. Il n'y a pas de soucis de rongeurs là-dessus? Pas du tout. Si, bon, il y a eu un peu de casse, mais sur l'ensemble de ce que ça a produit, c'est rien, quoi. Pas de soucis maladie? Elles ont chopé le mildiou assez tôt, mais il faut dire qu'en août, je crois début août, on a eu 2-3 semaines. On a eu des jours à 12 degrés, des nuits à 10, de la flotte quasiment en continu. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis surtout, elles avaient donné ce qu'elles avaient. Elles avaient donné déjà 500 kilos sur 60 mètres linéaires. Donc, ouais, c'était énorme. À un moment, tu peux pas espérer plus, quoi. Ouais. Ok. Et sinon, en général, vous avez combien de variétés de tomates Pas énorme. Cette année, un peu plus, parce que c'est Jean-Baptiste, là, le commercial, qui on lui a laissé un peu de liberté, on va dire. Nous, on regarde ce qui se vend bien. Et généralement, quand on fait des trucs un peu plus originaux, alors par exemple les ananas, bon, il faut dire aussi qu'elles ont tendance à fendre. Ouais. Ou les noirs de Crimée, ça, on les vend moins bien. Donc nous, si c'est pas ça que les gens veulent, nous on fait ce que les gens veulent. Et en gros, c'est l'andine cornue parce que ça, c'est beaucoup notre andine cornue, Saint-Pierre. La plupart des clients, c'est celle qu'elle préfère aussi. Et après, oui, Saint-Pierre, des rouges. Oui. En termes de conduite, je vois que vous effeuillez sur le bas. Ouais. À partir de quand? Assez tard. Là, c'était presque par défaut. On l'a fait. On n'a pas réussi à le faire avant les deux semaines de mi-août, là où c'était dégueu, parce qu'on était un peu débordé. Et du coup, dès qu'il y a de nouveau eu du beau temps, on s'est dit bon, là, il faut quand même le faire parce que. Début septembre, je pense. Ouais, c'est début septembre, c'est là qu'on vient couper les têtes. Ok. Donc les têtes et feuiller le bas. Ouais. Et là, on laisse tout sur place. Ouais. Au sol, je vois qu'il reste les oignons, donc vous avez aussi.
Là, il y avait beaucoup d'oignons aussi qui ont super bien marché, ouais. Vous êtes tous les 60, du coup, pour les pieds ? De tomates, oui, mais du coup, les oignons, je pense, je sais pas, est-ce qu'on avait... Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de trous. Non, mais parce que ça, c'était la planche Ah oui, en fait, il y avait de l'ail, il y avait de... On avait planté de l'ail et de l'oignon en octobre dernier. Donc là, c'était pas en dérobé, c'était vraiment une demi-planche d'oignon. Une planche complète. Et en fait, ça a tellement donné qu'au bout d'un moment, on se dit, mais mince, quand est-ce qu'on va pouvoir planter nos tomates ? Et puis bon, du coup, c'est pour ça aussi que celle-là, elle était un peu décalée. On n'avait pas pu planter aussi tôt qu'espéré. Parce qu'il y avait plein d'oignons et plein d'ail, ça a super bien marché. On a dû les récolter en juin, je pense. Là, c'est peut-être le broyat. Ça, c'est le broyat. Ça, c'est le broyat, c'est sûr. Ouais, comme c'est une plantation. Ça, c'est le broyat après. C'est ce qu'on a mis avant la plantation de l'année dernière. Donc, c'était quoi ? C'était il y a quasiment un an, 11 mois, quoi. Mais je pense que sur les plantations d'oignons et d'ail, on ne lésine pas, quoi. Oui. Comme on sait que ça va rester longtemps, qu'en plus, c'est des cultures qui aiment assez bien ça, on a dû mettre une bonne dose, quoi. Plus la bâche par-dessus. Ouais. Plus après la bâche par-dessus, et au final, il n'y a pas eu de désherbage à faire. La culture a très bien marché, et puis les tomates derrière, elles sont arrivées, puis elles étaient contentes aussi. Quoi. Et tomates, du coup, goutte à goutte, aspersion ? Surtout ouais, aspersion. Surtout aspersion. Goutte à goutte, que si on a vraiment raté un créneau, et qu'il est déjà tard, je sais pas, et donc là, on va faire du goutte à goutte, mais autrement, c'est quasiment. Je pense que le goutte à goutte, il va pas tourner. Ouais, en fait, on est parti sur du goutte à goutte. Je pense que c'est bien d'en avoir, ça dépanne quand, si on n'arrive pas à suivre avec l'arrosage. Mais en termes de logique par rapport à notre système, ça me paraît pas cohérent. Ou alors, il faudrait mettre 4 rangs par truc, 4 lignes par planche. Pour qu'il y ait de l'eau partout, pour qu'il se passe quelque chose avec la matière, donc on privilégie ça. Et ça, c'est aussi en discutant avec les formateurs, je ne sais plus lesquels, je ne sais plus si c'est Jean-Baptiste. Ça, je c'est sais Jean-Baptiste. Plus. Mais qu'en fait, c'est logique, quoi. S'il y a du goutte à goutte, bah, tu vas avoir une bulle d'eau ici, bah, la tomate, elle va aller dans la bulle d'eau. Dans sa bulle d'eau. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il y a un mètre de part et d'autre où il faut aller chercher aussi. Et du coup, en conduisant en aspersion, bah, je pense que c'est beaucoup. Bon, l'ombrière a très bien marché aussi, mais je pense que l'arrosage en aspersion... De toute façon, on le sentait les années précédentes, quand on arrosait en goutte à goutte, le sol de nos serres, c'était du béton. Alors là, maintenant, ça commence à redurcir un peu, parce qu'à cette période, on n'arrose plus autant que ce qu'on voudrait. Mais pendant toute l'année, c'était de la semoule, quoi. Ouais. D'arroser en aspersion, ça a changé. Et aspersion, arrosage par aspersion et pas bassinage par aspersion. Vous mettez quand même des grosses quantités d'eau du coup sur l'arrosage. Vous avez une gestion particulière de l'aération de vos serres en même temps ? On fait surtout attention à l'heure. Oui, donc c'est le matin. Ouais. Non, justement, on attend que ça ait. Enfin, nous on dit surtout pas comme si c'était des grands spécialistes. On discute avec les techniciens et eux nous disent surtout pas. On laisse sécher les déjà s'il y a eu une rosée la nuit ou de l'humidité. En fait, les maladies, le mildiou, apparemment, c'est 9 heures d'humidité ou 10 heures d'humidité constante. Donc, si tu viens arroser le matin, tu as déjà toute l'humidité de la nuit. Si tu viens arroser le matin, bah, tu prolonges cette humidité. Il vaut mieux laisser sécher, arroser et relaisser sécher. Vous arrosez plutôt en fin de matinée ? Ouais, ça dépend. En été, tu peux tranquillement arroser à 10 heures, ça a déjà vachement séché. Mais à cette période, pas avant 11 heures ou plus tôt, et pas après 15 heures, parce que sinon, c'est foutu. Et par rapport à l'aération, on laisse toute façon, même encore maintenant, on a eu des nuits à 6, on laisse les serres ouvertes tout le temps, les hauts vents ouverts tout le temps. Parce qu'on se dit qu'on préfère que la plante elle se calme un peu et qu'elle dise qu'il fait froid plutôt que de favoriser le mildiou. Donc on préfère que ça soit ventilé, quitte à ce que ça ralentisse un peu la culture, mais au moins c'est sain. Quoi. Qu'on la tienne le plus longtemps possible. Ouais. En général, vous la tenez jusqu'au quand ? Bah, on a des tomates, on a vendu des tomates. Non, ouais, quand même pas. Mais si, celle qu'on a encore fait rougir dans le garage. Ouais. Je pense que... Ça vaut plus les tomates d'été. Mais... Parce que du coup, à un moment, vous cueillez tout, vous arrachez, vous faites mûrir à l'intérieur ? On l'a fait seulement l'année dernière, ça a marché quand même, mais bon. C'est. Voilà, nous, on préfère. C'est plus. Après, il y a des gens qui en veulent. Et disons que nous, notre mode de vente, où on décide d'arrêter la vente assez tôt, ça implique que, en fait, on pourrait enlever les tomates maintenant et mettre une autre culture, mais elle va arriver en janvier. Nous, en janvier, on ne vend plus déjà. Donc, enfin, une tant qu'à faire, on laisse la tomate arriver au bout. Ouais, voilà, donc on va tirer tout ce qu'on peut tirer de la tomate. Et voilà. Et alors, on met des toiles. Je reviens quand même sur les toiles tissées parce que pour garder l'eau, c'est quand même, c'est peut-être encore plus efficace que les paillages naturels, je veux dire. Encore plus efficace que mettre de la paille ou du bois. Remettre une toile tissée par-dessus, ça garde vraiment bien l'eau et. Aujourd'hui, il faut quand même faire attention à ça. Donc, au début, on ne voulait pas mettre de toile tissée, mais que ce soit pour la gestion des herbes ou pour la gestion de l'eau, c'est quand même hyper efficace. Donc, on s'est fait à l'idée et maintenant, on en met partout. Okay. Tu parlais de l'histoire du cinquième bouquet.
Ouais. Je vais poser deux questions en une. Est-ce que tu peux développer celle-ci? Est-ce que vous sélectionnez du coup vos bouquets? Est-ce que vous effleurez un moment? On n'effleure pas. L'histoire du cinquième bouquet, c'est on parce que... On ne sélectionne pas du tout non plus. Je disais ça par rapport aux deuxièmes plantations de tomates. Parce que en fait, a priori, il y aurait un creux. Quand tu arrives sur le cinquième bouquet, la tomate, elle commence à ralentir un peu. Il y a un creux. Et si toutes tes tomates arrivent au cinquième bouquet en même temps, bah, tu vas avoir une grosse baisse de production. En fait, c'est là que le plan est le plus chargé. Ouais. C'est-à-dire les premiers plants, ils sont encore là. Il y a déjà des grosses tomates, mais elles sont pas encore mûres. Donc, on les laisse. Et il commence à y avoir des fleurs au cinquième bouquet. Donc, ça veut dire que la tomate, elle commence à être très chargée. Quoi. Donc, à ce moment-là, elle peut avoir un petit coup de pompe. Alors, il y en a qui compensent, par exemple, avec... Sur le premier bouquet. Ouais. Ouais, ça, par exemple. Ou alors, essayer de fertiliser un peu pour la booster un peu. Nous, tout ça, c'est pas tellement notre truc. Donc, on fait juste une contre-plantation pour qu'elles n'arrivent pas au cinquième bouquet tout en même temps. Quoi. Quelques semaines, quoi, on va dire. Peut-être un bon mois. Sachant que la deuxième série, un mois plus tard, elle va quand même avoir tendance à rattraper la première puisque le sol sera un peu plus chaud et tout ça. Donc ouais, je pense qu'il faut quand même un bon mois, je pense. Mmh. Ok. Je profite d'être ici et d'avoir parlé un peu aération. Deux mots sur vos serres. Vous avez 6 serres en bord non droit. Non droit. Ouais. Aération ouais. 2001 ouais. Devant. Elles font combien en longueur? 30. 30, pas d'aération latérale? Non. Non nécessaire? Sûrement que ça ferait pas de mal, mais nous on est aussi parti au moins cher à l'époque et on nous avait dit en dessous de 30 mètres, t'as pas besoin d'aération latérale. Et donc nous, le format nous allait bien. Si on pouvait le refaire, peut-être qu'aération latérale, ça serait mieux, mais entre le chaulage et les ombrières, niveau température, on a réussi à garder un truc correct. Ouais, et puis on nous avait aussi dit, alors je sais pas si c'est vrai, hein, mais que bâche enterrée, ça tient plutôt mieux. Et du coup, aération latérale, je ne sais pas, je peux pas trop comment ça marche, mais je pense que ce n'est pas sur des systèmes de bâches enterrées. Parce que vous, en plus, vous avez une grosse problématique de vent ici. Ouais, bah, je dirais moins qu'en Bretagne, peut-être, mais je ne sais pas comment ils font. Ouais, peut-être que du coup, ils ont des serres plus... Nous, les nôtres, voilà, elles sont pas, y a pas de pieds en béton, elles sont à peine dans le sol, enfin voilà. J'ai vu qu'il y avait des filets anti-vent partout autour. Ouais. C'est les vestiges de la tempête. Ouais, c'est la tempête Ciara en 2020. Il y a eu, je crois que c'était 132 km/h. 136, la plus grosse, ouais, ou 136, la plus grosse rafale. Donc ça a pété les 6 serres. Les 5. La première a à peu près tenu, c'était la plus proche de la haie. Les deux autres sont restées debout, mais... Et on a pu les utiliser quand même en tant que serre. On a encore pu les utiliser, mais vraiment fragilisées, quoi. Elles ont perdu leur structure. Le moindre coup de vent, tu sentais que ça pouvait... Et les trois dernières, là, étaient complètement en vrac. Pliées, quoi, complètement. Plus un tout-abri aussi complètement plié. Et donc, à ce moment-là, c'était 2019. On avait fait un petit décollage par rapport aux années d'avant en chiffre d'affaires. Donc, et puis, une bonne fin 2019. Donc, ça nous avait un peu donné de courage parce que sinon, je pense que ça nous aurait enterré. Et puis, on a dû faire une cagnotte, quoi, pour financer les serres, etc. Et bon, l'assurance avait aussi joué son rôle, mais il restait trop, quoi. On n'aurait pas pu s'en sortir tout seul. Et là, les gens nous ont vraiment aidés. Vous avez élevé combien? 20 000, je crois. 20 000, quasiment 18, ouais. Je crois. Et les brise-vents, je crois que ça revenait à 13. 13 000, il restait un peu pour les serres. Il y avait pas mal d'arbres arrachés. Donc voilà, heureusement que les gens nous ont aidés, parce que sinon... Et vous avez pris le parti de mettre des brise-vents tout autour, et pas seulement dans les directions des vents. Traumatisés. Ouais. Bah justement, en fait, ce qui nous a fait peur avec cette tempête, c'est que c'était essentiellement du vent d'ouest. Qui est normal chez nous, hein, on prend les donc, gros vents. Là, on aurait mis les filets côté ouest, quoi. Sauf que la dernière, je sais pas, mais on regardait sur des applications et tous les coups de vent, et il y a une très grosse rafale qui est revenue bien plus du nord, quoi. Et donc, laquelle a cassé, on sait pas, mais... On sait que du sud, ça peut souffler relativement fort aussi. Donc, en fait, il n'y a que de côté est où, au max, tu as 70 km/h. Si tu as 70 km/h d'est, c'est déjà beaucoup, mais ça ne casse pas une serre. Quoi. Donc, on s'est dit, ben, on fait nord-sud-ouest. Okay. Et on a pu le faire grâce à l'aide des gens. Et on est content parce que sur les trois là, ça ne change pas tout. Tu stresses quand même quand il y a du vent à 100 km/h. On est quand même comme ça. Mais je pense que ça fait quand même un bon coup de main. Quoi. Les melons? Ouais, alors les melons, il n'y a pas forcément... C'est la fin de la saison. Et puis, en fait, ils n'étaient pas prévus ici. Oui. Je crois qu'ils n'étaient pas prévus tout court. Non, ils n'étaient pas prévus. Je ne sais pas pourquoi on avait plein de melons. Mais bon, en fait, c'était les pois mange-tout qui n'avaient pas bien marché. Y avait pas mal de creux. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, là où il y a des creux, on met des melons. Et en fait, c'était pas mal. Bah,
vous les avez mis dans les petits pois. Ouais, là où il y avait des creux dans la levée des petits pois, ouais. Et ça a bien produit, et on s'est surtout rendu compte que c'était un produit hyper attractif. Quand on a eu assez de melons, c'est-à-dire une centaine de kilos sur une vente pour communiquer dessus, eh ben, on a battu le record de l'histoire de la ferme. Parce qu'on a eu énormément de monde, ouais, 100 kilos de melons, ça faisait 400 euros. Et surtout, ça a fait venir beaucoup de monde. Donc voilà, on s'est dit, il faudra le faire plus et il faudra le faire mieux. En fait, notre crainte, c'est que jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas à être régulier sur la qualité gustative des melons. Et depuis qu'on est passé sur des variétés F1, on peut dire qu'on a à peu près réglé le problème. On a réglé le problème. Après, il faut apprendre à les récolter au bon moment. Ça, c'est pas forcément évident. Mais à force d'en manger, au bout d'un moment, on le sait quand même. Et du coup, voilà, il faudra en faire plus. Eh ben, chapeau, hein, sacré calibre. Oui, on est assez contents sur les carottes. C'était un peu la culture qui nous faisait le plus peur parce qu'à la fois, il en faut beaucoup. Et à la fois. Beaucoup et toute l'année. Vous avez combien de planches là en carottes en général là? 40, je crois. Non, moins. Ah oui, on a diminué. 7, 14, je dirais 28. Plus celle de serre. Plus les 5. Ça, c'est que 28 dans le plein champ. Il y avait 5, 6. 6 planches de serre en primeur. Donc, semé fin janvier, récolté en juin. Et 1, 2, 3 rangs par... 4. Non, 4. 5. Ouais. 5, c'est sûr, je voulais faire 6. Oui, on a fait les plus petits avec 4. Donc ça, c'est 5, ouais. 5 mais... rangs à la planche. Bon, des fois, il te manque un rang. Hein. Ouais. Et tu parlais d'échelonner... Ouais, ouais. En fait, il y avait une première série 20 avril, une deuxième plein champ, hein, je parle. La première série du 20 avril, elle est bien parce que elle arrive tout juste quand on termine de récolter les serres. Donc ça, c'était bien, 20 avril. La deuxième série, c'était début mai parce que les carottes début mai, ça marche bien. Et après, je pense qu'on aurait dû échelonner un petit peu plus parce que celles-là sont arrivées un peu plus tôt que prévu. Celles-là sont déjà prêtes alors donc, que en fait, là, on voit série, que, elle n'est pas terminée. En fait, c'est pas trop grave, elles se garderaient longtemps comme ça. Mais comme nous, on aime bien vendre en botte, bah là, le problème, c'est que les fans, elles sont déjà un peu fatiguées, un peu malades aussi peut-être, je sais pas trop. Nous, on veut les vendre toute l'année en botte, frais, on stocke jamais de carottes. Ouais. On récolte à chaque fois la veille de la vente, quoi. Pour le lendemain, quoi. C'est un produit d'appel aussi. Ouais, ouais, je pense. Ouais, et puis alors, c'est peut-être le produit sur lequel on a le plus de personnes qui disent « Ah, j'ai vraiment retrouvé les carottes de quand j'étais petit » ou « Les carottes du jardin » ou « Là, c'est que des variétés anciennes ». Je pense le fait qu'on soit en non-travail de sol avec des bons taux de matière organique. Avec des sols argileux aussi, je pense que c'est aussi... Ça fait le goût, en fait. C'est pas forcément l'idéal en termes de culture, mais... C'est, je pense qu'en termes de goût, ça apporte par rapport à une carotte dans le sable, peut-être. Ouais. Et quoi comme variété, du coup? Touchon pour les premières et après là, cette année on a fait simple Dolciva et puis peut-être Dolciva aussi la dernière, je sais plus, on n'a pas trop, on fera peut-être à nouveau une colle maraqueur rouge, ouais, peut-être qu'on essaiera à nouveau autre chose. En fait, Touchon c'est une des rares précoces en population, comme on sait pas si c'est une bonne idée, mais dans l'idée on voulait rester sur des populations, disons que sur les cultures qui marchent à peu près. Tu vois, c'est pas comme le melon où vraiment les techniciens et même les collègues nous ont dit si vous faites pas du F1, ça va être délicat de les mettre à la vente. Les carottes, elles marchent à peu près. Peut-être qu'on pourrait avoir des meilleurs rendements ou je sais pas. Mais en tout cas, en qualité, on est vraiment contents. Les rendements, nous, ça suffit pour qu'on s'y retrouve. Donc voilà, on va pas passer sur du F1 là-dessus, quoi. Là, l'enherbement passe-pied, c'est ce que vous tolérez? Vous avez pas désherbé le passe-pied? Si, j'ai passé la débroussailleuse il y a quelques temps ici. Ouais, on fauche, quoi. Ouais. Ouais, là maintenant on va plus rien faire, de toute façon ça pousse plus tellement vite. Il y a beaucoup de gens, notamment des collègues, quand ils viennent visiter, qui sont très surpris parce qu'en fait nous on laisse les trucs monter à graines. Mais en théorie, et puis a priori c'est comme ça que ça se passe, nos itinéraires techniques, soit avec une longue occultation, soit avec des plantations sur toile tissée, soit avec un semis sur compost, enfin peu importe. Mais de manière générale, on n'est pas trop embêté par les annuels. À la limite, on a plus de désherbage dans les allées que sur les planches, quoi. Ouais. Donc là, si à un moment on a le temps et que ça nous prend, eh ben on peut passer la débroussailleuse, par exemple. Ouais. Ça se fait assez vite. Je vois les poireaux qui sont juste derrière. Les carottes qu'il y a ici, vous ne voyez pas?
Les carottes, jamais. Les poireaux, si, mais pas l'ilola parce que. C'est celui qu'on récolte en ce moment. C'est celui qu'on est en train de récolter. On pense que d'ici à ce qu'on constate des problèmes, ça devrait être à peu près vendu. Mais on a deux, trois autres séries de poireaux qui sont sous filet, oui. Depuis début du mois, quoi. Ouais. Au moment où il faut mettre les filets sur les poireaux, ouais. Eh ben, on récupère ceux des choux parce qu'ils ne craignent plus tellement l'altise. Mais ouais. Sinon, ouais, les choux, il y a altise, pierrite, donc. On enlève les filets, mais assez tard, quoi. Et sur les carottes, pour le moment, on n'a jamais eu de problème. Donc... Enfin, choux, ou alors, si, ouais. Vous avez combien de séries, de variétés? Bah, on essaye de pas faire trop de séries, parce qu'en fait, les années précédentes, on remarquait qu'ils avaient beaucoup de mal quand on les plantait en juin tard, et qu'il fait chaud. Ouais. On n'arrivait pas, donc cette année, on s'est dit, bon, on va essayer de les planter tôt, je ne sais plus quand c'est, mais je pense fin avril. Avril, ouais, c'était encore en et avril. Et ils sont repartis à fond, c'était vraiment bien. On fait pas beaucoup. Et alors, par contre, après, c'est le choix des variétés qui fait ouais. Que... Du coup, on va avoir des variétés très rapides. Et puis après, on joue sur la variété, mais on plante tout en même temps. Ouais. On joue sur la variété pour pas se retrouver avec que des choux énormes trop tôt. Mais en jouant sur les variétés, comme ça, on y arrive à peu près. On a pas beaucoup de variétés. On a Nagel, là, Holsteiner, Platter. Là, Et puis Turnen, ça, c'est un plus long. Quoi. Et ça s'est assez bien passé. Les choux rouges, on a plus de mal. On se l'explique pas trop. Si, peut-être, lui, il se l'explique. Il pense qu'il faut essayer des F1. Ouais. Ça fait 7 ans maintenant qu'on en ouais, fait chaque année. Ouais, ils sont petits, quoi. Vous faites que du pop. Ouais. Ouais. Mais et ouais, le ben, chou, c'est vrai. Les choux rouges... Le problème, c'est qu'à un moment, soit on change quelque chose et on tente du F1, même si c'est peut-être pas toujours parfait, on verra si c'est bon ou pas. Mais soit on arrête parce que les choux rouges... Le rendement est quand même vraiment... Moyen. Ça occupe beaucoup de place. C'est beaucoup de place, beaucoup de temps. Et on prend c'est des tout petits choux. C'est quoi? Ça vous fait combien en mètre carré Je sais pas. Si on fait 2 kilos, c'est déjà bien. Sur le chou rouge. Sur le chou rouge. Ouais. Sur les choux blancs, ça va. C'est rentable, on s'y retrouve. Mais alors les rouges, il faut changer quelque chose. Quoi. Okay. Et c'est pas une question de vente. Il y aurait des... Ah ouais, on vend mieux les choux rouges que les choux blancs. Ouais. Mais on les réussit moins bien. Ok. Tant qu'on est sur les poireaux. En densité, vous êtes comment? Les poireaux, on a un truc qui ressemble un peu à une grelinette, sauf qu'en fait. Un plantoir, 5 dents, espacés de 11. C'est 5 plantoirs espacés de 11, ouais, une fourche ouais. Comme ça un peu. Et donc on met 3 rangs sur une butte. Ouais. Donc en gros, ça fait à peu près 500 peut-être. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. 500. Plan par planche. Par planche. Ouais. Donc on fait les poireaux, on fait aussi nos plants nous-mêmes, on les sème en pépinière, je crois tout début février, sur un lit de compost. Alors là, pour le coup, on y va franchement sur le compost. On les sème très serrés, donc je crois que le semoir ébrage peut descendre jusqu'à 1,9 cm sur le rang. Mais en réalité, il va prendre au moins 2 graines, je pense. Donc ça fait une graine tous les centimètres, peut-être. Très serré. Et en fait, on arrive à faire 12... Ouais. Sur compost, en pleine terre, ouais. Okay. Bah, sous serre, hein. Ouais. Et en fait, on arrive à peu près à avoir nos 12 000 plants, je pense un peu plus, même sur 3 planches de 15 mètres, dans la partie basse de notre serre à semis. Et donc, derrière, vous passez une lame et Non, même pas, on les arrache comme alors, ça. Alors, au fur et à mesure, quand ils sont gros, on vient, on les arrache un peu, après, on coupe un peu les racines, on coupe les cheveux. Et puis et on vient replanter, ouais. Et on vient les replanter, ouais. Et du coup, ça, c'est le seul itinéraire un peu, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, un peu mixte. C'est-à-dire que, c'est un itinéraire qu'on conduit à la fois comme entre la transplantation et le semi-direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de toile tissée, alors que quasiment toutes nos transplantations se sont toile tissées. Et on vient préparer un lit de semences avec du bois, beaucoup de bois. On roule, on arrose, on reroule pour que le bois s'agglomère un petit peu, pour que quand on vient mettre le plantoir, que les trous ne se rebouchent pas tout de suite. Ensuite, quand les trous sont faits, ben, on fait tomber le poireau le plus profond possible et on laisse. On le rebouche pas. On fait un pralinage quand même, par contre. Oui, on les trempe. On les trempe. Avant de les planter, on les trempe dans de la terre des taupes. Ouais. Une taupinière, on prend la terre, on met dans un seau, on fait un mélange. Une purée, un peu, que ça colle bien. On vient tremper les racines. Ça, j'ai l'impression que ça a beaucoup aidé cette année. Et puis, et après, en fait, on les rebouche pas à la main, on les rebouche en arrosant. Ouais. On vient avec une lance qui a un bon gros débit et puis on les trempe vraiment. Pour que le bois retombe un peu dans le trou, mais pas trop, parce qu'ils aiment bien être un peu tranquilles, pas trop serrés. Là, pareil, vous avez une sacrée surface en poireaux. Bah, en fait, l'îlot qu'on voit là, c'est 7 planches. Il y en a encore 5 là-bas et il y en a encore 8 en bas, je crois. Donc, ouais, 15, ça fait 20, une vingtaine de planches. Vous avez tout semé en même temps, tout planté en même temps? On a tout semé en même temps, mais plusieurs séries, des plus ou moins rapides.
Et du coup, déjà, la plantation, c'était déjà décalé entre les séries les plus et rapides. C'est pas les mêmes variétés, on a du poireau d'été et d'automne. C'était planté courant juin, les premiers. Et je pense fin juillet, peut-être les derniers. Et on est très contents. Ils sont et ça, très c'est bien aussi partis. Un axe d'amélioration pour la ferme, c'est que potentiellement, on fait trop d'oignons, trop de poireaux, trop de choux. Et du coup, ça nous fait quand même beaucoup de travail. Et là, maintenant, on va avoir à ajuster les quantités. Et faire en fait, les premières du années, et de la pastèque, par exemple. Les premières années, on réussissait pas bien ces cultures. Bah, le chou, c'est toujours pas ça, mais on réussissait pas bien les cultures. Et du coup, on en faisait plus pour être sûr d'en avoir assez. Et en fait, quand tu les réussis bien, t'as pas besoin de tant d'espace que ça. Donc maintenant, on va essayer d'ajuster petit à petit et diversifier avec melon, pastèque, patate douce peut-être. Ouais, on va essayer. On a déjà essayé cette année. Bon, c'est pas. T'as une idée de ton rendement mètre carré en poireau ? Bah là, c'est pas mal. Hein. Bah, on en fait, nous, on part. L'objectif, c'est 300 grammes ouais, par plan. Plutôt 200, 250. Moi, dans la planif, c'est 300 oui, dans grammes. La planif, mais et je pense qu'en fait, il y a toute une partie de l'année où on est un peu en dessous. Mais là, en bas, on a des poireaux à 600 grammes, 700 grammes. Bah, du coup, voilà, 8 kilos au mètre carré. Voilà, on est très content. Vendu à 350. Oui, là, c'est super. Alors, 8 kilos, faut... Après, c'est quand même assez hétérogène. Ça fait 28 euros. Alors, au mètre carré, ce qui est super. Un objectif à 15 euros du mètre carré, c'est pas mal. Oui. Ouais, c'est super. Mais il faut nuancer quand même parce que. On n'est pas régulier là-dessus. Des fois ça marche, ça marche pas. On plante 27 poireaux au mètre carré, mais on ne récolte pas 27 poireaux au mètre carré. T'as une petite partie qui va pas pousser, une partie qui va crever de chaud. Ça, au je début. Pense, c'est des fois le non-travail de sol aussi. J'ai l'impression que dans les systèmes de travail de sol, c'est comme tout minéralise d'un coup et tout est planté exactement dans les mêmes conditions, comme t'es pas dépendant de l'activité biologique, etc. J'ai l'impression, c'est une hypothèse, mais qu'ils arrivent à avoir des trucs un peu plus homogènes, quoi. Nous, on a des fois des vagues un peu, tu vois, comme ça. Mais bon, globalement. Mais globalement, tu vois, même si tu dis que t'en récoltes 1 sur 2, oui. Tu restes quand même déjà à 15 euros. Oui. C'est déjà bon. Quoi. Peut-être dernière question sur l'itinéraire poireau avant qu'il fasse nuit. En chantier de plantation, vous avez un peu une idée du. Ça va débit, vite. Franchement, ça va quand même vite. Je ne saurais pas dire plus précisément que ça, mais nous, il va nous falloir, on va dire, un quart d'heure, si on raisonne à la planche, un quart d'heure pour ramener le bois, l'étaler, le rouler. Et après, on va peut-être encore prendre 5 minutes pour vraiment tremper. On le fait à la lance, des fois, pour éviter de faire tourner un îlot complet pour une planche. Mmh. Donc, on va dire, ouais, allez, 20 minutes pour la préparation de la planche. Et puis, la plantation, après, ça va très vite. Parce qu'avec la fourche, là, il y en a un qui fait que les trous. Et l'autre, il vient, il met... Je saurais pas dire plus précisément, ouais. Mais ça va oui, assez en tout vite. Cas, ça vaut le coup. Après, on n'a pas beaucoup d'autres interventions. On les bute pas. Et on a peu de désherbage, comme on a fait un lit de broyat. Donc, ça demande pas de temps, quoi. Petite question bonus, à la tombée de la nuit, on vous aura vraiment usé jusqu'à la moelle. Vous nous avez parlé de l'élevage. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots, le temps que ça vous prend, le ouais. complément que ça vous apporte, le sens que ça fait pour vous aussi ouais. Alors, moi je commencerai par dire qu'on ne l'a pas vraiment choisi, dans le sens où quand on a récupéré la ferme, les vaches étaient encore là. Elles étaient déjà là plutôt. Et donc, la question, c'était d'abord d'ajouter un atelier de maraîchage en plus des vaches. Même si on savait que notre activité principale, ce serait le maraîchage, les vaches étaient là et on s'est dit, bon, ben, on reprend les vaches. Dans l'idée aussi, au départ, on s'était dit, ben, les vaches, c'est du fumier. Le fumier, on remet tout sur le maraîchage et puis c'est super. Et en fait, très rapidement, on s'est dit, oui, mais si on remet tout sur le maraîchage, qu'est-ce qu'on met sur les parcelles de fourrage ? Et donc, en fait, tant et si bien que finalement, on ne met rien du tout sur le maraîchage. Et on met d'autres choses et ce n'est pas grave. Du coup, toute la matière organique des vaches, elle retourne sur les parcelles consacrées aux vaches. C'est un bon complément parce qu'il y a des gens qui sont plus viande que légumes. Et du coup, pendant la saison, quand on vend les légumes à la ferme, on vend aussi des steaks hachés surgelés. Du filet, entrecôtes, etc. Donc, les morceaux nobles et du steak haché surgelé. Et ça fait du chiffre en plus, et surtout ça fait venir des gens en plus. Oui, il y a des gens qui ne vont pas faire 20-25 minutes pour des légumes, mais pour des légumes plus de la viande, ils le font. Surtout que là, elles sont nourries à l'herbe toute l'année, donc je pense qu'en termes de qualité... Les deux activités sont assez complémentaires aussi, parce que pendant la grosse saison de maraîchage, les vaches, elles sont en pâture. Vous vérifiez la clôture de temps en temps, leur donner à boire, mais ça c'est l'eau du forage.
En fin d'été, on donne à manger tous les deux jours, mais c'est assez vite fait. On complète un peu pour pas faire du surpâturage, quoi. On met des enrubannés tous les deux jours. Et voilà. Mais du coup, les activités sont assez complémentaires. En hiver, quand on a moins de maraîchage, ben, on a un peu plus de boulot avec les vaches, mais c'est pas des heures non plus. C'est un petit troupeau, il y a 20 têtes, en gros. On peut compter une heure par jour. En prenant large. Oui, en prenant en compte quand il y a des vélages et qu'il faut aller nourrir, enfin, surveiller que le veau tête 2-3 fois par jour, si ça se passe pas très bien au début. Donc voilà, une heure tout compris. De novembre, ça dépend un peu de la saison. Ouais. S'il commence à faire moche, elle rentre en novembre. Et puis en général, elle ressort en avril, mai. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il a souvent été question d'arrêter le troupeau. Et moi, arrêter le troupeau, ça me satisfait qu'à moitié. Ok, j'emmène plus de vaches à l'abattoir et ça, c'est bien. Mais si j'arrête le troupeau, il n'y a plus de vaches du tout. Parce que c'est impossible d'entretenir un troupeau comme ça sans le valoriser à un moment donné. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce qu'en termes de vie, est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose si on enlève tout ce troupeau ? Je suis pas convaincu. Donc voilà, on se dit que si on veut garder cette vie-là qui est autour de nous, qui est agréable en plus, hein, de temps en temps, elle nous emmerde un peu quand elle pète les clôtures, mais de manière générale, c'est une compagnie qui est assez agréable. Voilà, si on veut avoir cette compagnie-là, si on veut leur laisser une chance de vivre un peu, ben, il faut qu'on les valorise, donc il faut les emmener de temps en temps à l'abattoir. Et en termes économiques, je pense que s'il y a 3000 euros de bénéfice. Ouais, le bénéfice est sûrement pas énorme. Je pense qu'on peut faire mieux. On pourrait faire mieux. Il faudrait peut-être qu'on ressème un peu dans nos pâtures parce que c'est des prairies permanentes depuis 40 ans. Et je pense que le fourrage est plus de très bonne qualité. On pourrait remettre un peu de légumineuses, de trèfle pour que les vaches se développent un peu plus vite. Et je pense que ça pourrait être beaucoup plus rentable que ce qu'on fait nous. Mais peut-être à l'heure actuelle, il y a peut-être 3-4 000 euros qui restent. Et 3-4 000 euros, c'est pas beaucoup par rapport à la contrainte que ça peut représenter, mais ça fait quand même quelques mois de salaire chacun. Ouais. Eh ben, merci Simon et Baptiste pour le temps que vous nous avez accordé cet après-midi. Merci à vous. Trop chouette. Peut-être un petit mot de la fin. Deux mots de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose chez vous dont vous êtes particulièrement fier, qui marche bien, que vous voudriez partager ? Ou alors, au contraire, une énorme foirade qui vous vient à l'esprit et comment ne pas la faire. Ouais. Et deuxième point, si vous aviez un mot à passer pour quelqu'un qui voudrait s'installer ou qui voudrait passer ses pratiques en MSV, par rapport à vos choix au démarrage, tout ça, ce serait quoi ? Ben, le truc dont je suis le plus fier, c'est quand même la vente. Ouais, le monde à la ferme, c'est quand même... Maintenant, quoi qu'il arrive, même si on n'arrivait pas à rentrer dans les clous, niveau chiffres, si on avait des pépins, une tempête, je sais pas, et qu'un jour ou l'autre, on abandonne, je me dirais, ben ça, avoir 100, 110, 120 personnes des fois le samedi matin, ça, on a réussi. Dans un village où il n'y a pas de commerce, il y a 400 habitants... Donc ça, moi, c'est vraiment ça, la plus grande fierté. Ouais, moi aussi. Après, de manière générale... Je suis content parce que quand on s'est installé les premières années, je me souviens, on a eu une discussion, on se promenait dans le champ et on se disait qu'on aimerait bien que le champ ressemble à ce qu'on voulait. Et on avait peur, on se disait, ouais, mais on n'arrivera peut-être pas à ce qu'on veut. Et en fait, petit à petit, on y arrive. Alors, tout n'est pas parfait, mais on est content d'avoir les arbres un peu partout. On est content d'être sur des itinéraires de non-travail de sol, etc. Et donc ça, c'est une fierté quand même d'avoir mené notre barque là où on voulait. Et quand même, on produit, je pense, à peu près 30 tonnes de légumes sur une année, et sur peu de surface, de façon assez écologique, même si je pense que ça pourrait être mieux, ça pourrait aussi être pire. Donc produire autant d'alimentation, de qualité, avec les moyens qui sont déployés, c'est une fierté ça aussi. Ouais. Les plus grosses fois. Si, là, alors une autre fierté, c'est de... Bon, il est trop tôt hein, pour faire un bilan sur les méthodes et tout, mais... D'avoir tenu, déjà. D'avoir tenu, mais surtout d'avoir tenu sur des méthodes qui, aujourd'hui, ont un peu plus le vent en poupe, mais il y a 7 ans, c'était déjà un peu moins vrai. Ouais, d'être parti sur quelque chose de complètement alternatif à l'époque, et d'y avoir cru et de s'être accroché, ça aussi, c'est une fierté, quoi. Et sur ce qu'on aime moins. Les foirades, c'est les 3 premières années. Hein. S'installer trop rapidement, je ne regrette pas, ça dépend des caractères de chacun. Nous, on est un peu comme ça. Si on a une idée en tête, on ne l'a pas ailleurs, comme on dit, et du coup, on fonce, quoi. Ça nous a coûté cher en temps, en énergie, en argent. Psychologiquement, c'était dur. Et du coup, c'est quand même ça qui fait qu'aujourd'hui, pour la ferme, c'est quand même encore tendu. Ouais, on s'est plombé quand même.
Et c'est à cause de ça, et ça fait un peu peur de se dire qu'on est tendu, alors que là, on fait une saison presque parfaite en termes de vente, en termes de production, c'était vraiment bien aussi. Et malgré tout, à la fin, ça c'est quand même encore serré à cause de ça. Parce qu'on est lesté par des crédits qui n'étaient pas forcément justifiés et tout ça, quoi. Donc, je réponds aux deux questions. Les foirades, s'installer sans expérience. Et le mois passé, c'est l'inverse. Accumuler un maximum d'expérience avant de s'installer parce que on peut penser. Enfin, en plus, je dis ça, je pense qu'il faut pas forcément 10 ans, hein, mais si on se consacre une année, il faut pouvoir le faire. Nous, c'est aussi pour ça qu'on l'a pas fait. Financièrement, une année comme ça, c'est pas évident, mais si on peut se prendre du temps à côté de son boulot en plus, année sabbatique, j'en sais rien. Mais pour aller visiter un maximum de fermes, regarder un maximum de vidéos, en fait, une année peut en rattraper. Enfin, chez nous, franchement, je pense que si on avait fait ça, une année, on aurait rattrapé 4, quoi. Les 4 premières années de galère, on aurait pu se les éviter, quoi. Et donc ça, c'est pour quelqu'un qui voudrait s'installer, et pour quelqu'un qui est déjà installé, mais qui voudrait, qui réfléchirait à changer de méthode ou qui réfléchit pas du tout. Ce qu'on pourrait dire. Ouais, sur le travail de sol, est-ce que vraiment, enfin c'est un peu délicat de dire quelque chose, nous ça fait quand même que 7 ans qu'on fait ça. Puis on n'a pas beaucoup d'éléments de comparaison, non. On connaît... Donc dire à quelqu'un de changer son système, je sais pas, nous ce qu'il y a c'est qu'on est content, je trouve que les plantes elles sont quand même assez luxuriantes. Ouais. On a des belles feuilles. Ça c'est particulièrement vrai depuis le bois. Ouais. Dans la paille, c'était pas vrai. Dans le bois, tu plantes dans le bois, t'as pas de. Ouais. Quand on va voir les haricots, souvent dans des autres fermes, typiquement, c'est pas pour les mêmes variétés. Hein. C'est pas du tout souvent pas en tout cas les mêmes tailles de feuilles, la même verdure. On se centre sur le bois. En fait, c'est pas forcément le bois. Hein. C'est peut-être tout le système qui va avec. Quoi. Mais en tout cas, nous, clairement, on a remarqué un vrai plus depuis qu'on travaille avec du bois. Quoi. J'ai l'impression que dans ces systèmes-là, un des gros avantages, c'est que finalement, on a moins besoin d'intervenir. C'est-à-dire que nous, NPK, azote, phosphore, potasse, magnésium, tout ça, on ne s'occupe pas du tout de ça. Après, est-ce que dans 10 ans, ce sera toujours le cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, on ne s'en occupe pas et ça pousse de mieux en mieux. Et tout ce qui est maladie, traitement, j'ai l'impression qu'on est plutôt moins embêté que d'autres. Et moins qu'au début aussi. Ouais, et moins qu'au début. Et j'ai aussi l'impression qu'on travaille plutôt moins que d'autres. Donc voilà, ça c'est. Et puis ça, pour le coup, le non-travail de sol, c'est quand même. Il va falloir mettre les occultations, mais c'est une période où il n'y a encore pas énormément de boulot, alors que le travail de sol, on le fait souvent en pleine saison. Je ne sais pas s'ils doivent reprendre le sol ou. Disons, on ne l'a peut-être pas beaucoup dit, mais on constate une nette amélioration chaque année. Chaque année qui passe, bon, c'est aussi parce qu'on a de l'expérience et qu'on va choisir les bonnes variétés au bon moment, etc. Mais ne serait-ce que d'un point de vue agronomique. Les premières années, on plantait en tapant avec le plantoir, quoi. Et là, petit à petit, on est très loin de ça. On a de moins en moins de boulot. Et pour l'enherbement aussi, je pense, le travail de sol, ça te fait quand même énormément de levées d'adventices, etc. Et nous, sur ce point-là, j'ai l'impression qu'on est aussi moins embêtés que d'autres. Sur l'arrosage aussi, je trouve que ça, c'est assez rassurant. Pour la première fois cette année, on a vu vraiment que le sol, au printemps, il s'était rempli de flotte. Et ça nous a duré des mois et des mois. Les céleris, à un moment, on a coupé l'irrigation en plein cagnard. Et on allait faire les tests à la gouge et c'était toujours plein d'eau. Et ça, je pense que dans un itinéraire de travail de sol, c'est beaucoup moins vrai. Et je pense, en tout cas pour notre cas, si chaque année était juste une reproduction de la précédente, on ferait pas ce boulot. Ouais. Chez nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de se dire, on est en train de construire un écosystème, hein, un petit oasis comme ça, et de voir que tout ça se met en place, que le sol s'améliore, que les cultures sont de plus en plus belles et tout. C'est ça qui est vraiment stimulant, parce que sinon, c'est un métier qui est difficile de recommencer à chaque fois d'une année en se disant, bon, l'année dernière c'était galère, l'année prochaine ça sera galère. Il y aura encore plein de galères, mais globalement, on en a plutôt de moins en moins, et ça, c'est vachement encourageant, quoi. Trop bien. Voilà. Et ben, merci pour tout ça. merci à vous.